Là, Et là, ça là va tu être. m'entends ou pas? Non. Non, moi je t'entends pas. Il y a que toi qui t'entends. Là je m'entends pas. Fais si oui, fais je.
Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur ce live US Carcassonne. Nous allons assister dans quelques minutes à la 7e journée du championnat de France de National 1 qui va opposer nos couleurs jaune et noir au CSBJ Bourgoin dans l'antre mythique du stade Pierre Rajon. Nous nous retrouvons d'ici 5 minutes.
Allez, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons donc en direct sur le live USC sur YouTube. Merci donc aux nombreux spectateurs qui sont déjà présents. Début de la rencontre dans 7 minutes. On se retrouve dans quelques minutes donc depuis l'antre de Pierre Rajon, stade mythique du rugby français, pour supporter, soutenir nos jeunes et noirs dans cette épreuve du jour. A tout de suite. Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons donc à maintenant 4 minutes du coup d'envoi ici en direct depuis Pierre Rajon. Nous voulons bien entendu vous remercier. On voit que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés malgré la fin du quart de finale entre l'Argentine et le Pays de Galles qui semble d'ailleurs préfigurer une victoire des Bleus et Blancs. Souhaitons que les couleurs bleu et blanc ne soient pas à l'honneur ce soir quand même à Pierre Rajon et que ce soit plutôt le jaune et noir qui puisse l'emporter. Tout d'abord, merci à notre filmeur, à notre cinéaste du soir, l'ami Élie Bondoui, à la technique bien sûr Arsène et puis les hérétiques que l'on tient à remercier qui sont présents ce soir en la personne de Philippe Soum qui nous assiste pour la régie et l'ensemble technique. Voilà, donc écoutez, merci pour votre présence, c'est la 7e journée de Fédéral 1. On va donc voir dans un Pierre Rajon malheureusement peu rempli ce soir, il faut le dire, la concurrence de la Coupe du Monde, des deux matchs de l'Argentine, du Pays de Galles et puis surtout à 21h, Nouvelle-Zélande, Irlande, fait que nous n'avons pas beaucoup de monde malheureusement sur le stade, mais ça reste quand même le plaisir et l'occasion d'être sur une pelouse absolument mythique. Alors, nos journées noires se présentent ici avec un esprit de revanche, vous le savez, suite aux deux défaites concédées à l'extérieur, après les quatre premiers succès que nous avions connus. Puisque 34-33 du côté de Blagnac malheureusement et puis la lourde défaite la semaine dernière à Nice sur le score de 38-10. Une défaite qui bien entendu a pu marquer l'effectif mais qui vous a marqué également, on n'en doute pas, en tant que spectateur et assidu supporter de nos jaunes et noirs. Donc aujourd'hui on attend une revanche de nos couleurs. Nos couleurs qui se présentent, vous l'avez vu, dans une composition légèrement remodelée. Nous aurons les deux frères Lorenzo, Fabien et Florent, qui seront en première ligne aux côtés de l'éternel Raphaël Carbou. Romain Manca, le capitaine, avec Clément Fontaine. Une innovation en troisième ligne avec la titularisation de Bilal Fadli. Étienne Argent, Carl Ferns, qui sera au centre de la troisième ligne. La première titularisation de l'international argentin, recrue qu'on avait vu apparaître la semaine dernière à Nice, Martin Landaro, l'homme aux 84 sélections, soulignons-le. Et enfin, donc Gabin Miché, qui retrouve son poste de titulaire à l'ouverture. Et
Mamadou Niang sur les ailes accompagné de Léo Daré-Latour qui fait son retour. Au centre, on retrouvera Mathis Barca et Pierre Aguillon. Et à l'arrière, composition classique avec Maxime Gianni. Les remplaçants au talon, nous aurons l'ami Lucas Petriashvili, Dédé Urzaké, bien sûr, qui sera remplaçant en tant que pilier gauche, Narmania pilier droit. Seconde ligne, nous aurons Romain Guyot, CC en polyvalent, et puis Gary Graham, notre international écossais, remplaçant également, et derrière Gaëtan Pichon, ainsi que VAVA. Alors écoutez, la rencontre va bientôt commencer. Une pensée également, puisque vous voyez que ce soir je suis seul pour cette première épreuve derrière un micro et derrière, on va dire plutôt dans l'habit du commentateur, mais je serai rejoint dans quelques minutes par Damien Hanon, puisque vous savez que généralement nous sommes toujours assistés de la part d'un joueur, bien sûr, qui va nous amener son expertise technique et tactique, bien entendu, pour vous faire vivre les meilleures conditions cette rencontre. Damien, par contre, est suppléant. Donc, ils viennent de s'entraîner pendant une petite demi-heure avec l'ensemble du groupe. Une petite douche et ils nous rejoignent très rapidement. Donc, on devrait l'avoir à hauteur du premier quart d'heure de jeu. Voilà, les entraîneurs entrent sur la pelouse. On voit d'ailleurs devant nous Pascal Papé. Pascal Papé, bien sûr, qui est aujourd'hui le manager et directeur sportif du club de Bourgoin, un homme qu'on ne présente plus. La Coupe du Monde, il connaît. Il salue d'ailleurs actuellement Jean-Marc Coué. Ils se sont longuement croisés. Jean-Marc est d'une génération un petit peu plus ancienne. Mais ils ont eu l'occasion de se croiser quand même sur les stades, notamment lorsque Jean-Marc portait les couleurs du Castres Olympique. Voilà, l'entrée des joueurs ne devrait pas trop tarder. Je vois d'ailleurs que le nombre de spectateurs augmente considérablement. Nous avons doublé depuis 5 minutes. Et voilà, l'entrée des joueurs. Donc les Bergeliens qui pénètrent sur la pelouse, vous le voyez. Bergelien qui se présente notamment avec, en numéro 1, vous le savez, Romain Favaretto, qui est un joueur qui a été formé à l'USC, qui va être opposé donc à son copain et ami Lorenzo. Et ça nous promet d'ailleurs un bon duel, je pense, qui, sur les réseaux sociaux cette semaine, a fait un peu l'actualité. On a vu quelques posts encore qui ont été aujourd'hui postés par leurs amis communs afin de régler cet affrontement pendant 80 minutes sur le terrain. Nos journées noires viennent de pénétrer également. Une pensée pour Maxime Castan, que nous avons salué tout à l'heure. Vous le savez, c'est un honneur qui a œuvré quand même pendant quelques années à nos côtés. 6 ans, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Maxime qui est traditionnellement le capitaine bergalien, mais qui aujourd'hui ne peut pas jouer puisqu'il s'est blessé lors d'un match à Albi, si je ne me trompe pas. Et donc, depuis la deuxième journée, il est malheureusement absent. Voilà. Donc, une pensée également pour Max, que nous avons eu l'occasion de saluer. Le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes par l'ouvreur bergalien que l'on connaît, puisqu'il a évolué à un niveau beaucoup plus élevé, notamment en Anvers, Nicolas Villemain. Voilà. Donc, une équipe de Carcassonne qui nous doit ce soir une revanche. On va essayer de vous faire vivre les conditions du direct de la meilleure des façons. Ça va démarrer dans quelques instants. Voilà, attention, 5 secondes avant le coup d'envoi, on se croirait quasiment au Stade de France, on a le décompte qui apparaît sur l'écran. Voilà, coup d'envoi dans quelques instants, les conditions météo sont idéales, il y a un très léger vent favorable pour les Bergeliens en première mi-temps, mais vraiment très léger, pas de pluie. Nous avons eu une très bonne pluie dans l'après-midi, mais là, tout s'est calmé, donc des conditions climatiques, on va dire, qui sont quasi idéales pour la pratique de notre sport favori. Voilà, le coup d'envoi dans quelques secondes, c'est imminent. Monsieur l'arbitre de champ, Damien Dovissat, ne va pas hésiter à mettre le sifflet à la bouche. D'ailleurs, c'est un homme qui aime siffler, puisqu'en moyenne, il siffle environ 36 pénalités par match. Donc, on devrait voir du sifflet. Voilà, une première réception avec malheureusement en avant une réception de la part des Bergeliens qui récupèrent le ballon à l'entrée des 22 mètres. Une sortie directement avec le talonneur Mohamed Kribach pour une première percussion. Munila sur Letoy et Plessis Couillot qui est pris, qui est l'ancien joueur de Carcassonne, vous le savez. Sortie assurée du regroupement donc par Munila, l'ancien joueur biterrois, avec une charge du capitaine Léandré Côté. Mutilla. Les Bergeliens qui tentent une percée, regroupement sur les 40 mètres, un ruck, sortie de balle assez rapide. Une bonne défense carcassonnaise pour le moment, avec un bon plaquage réalisé par Fontaine.
Ballon à nouveau dans les mains du demi de mêlée. Les Bergaliens à nouveau à l'attaque avec Plessis Couillot pour son premier ballon qui tente une sautée. L'arrière bergalien est bien pris, Nicolas Caché, par Niang. Niang au combat, libération rapide du ballon. Karl Ferns n'y va pas. Attention sur le côté, mais une pénalité puisque le bergalien est allé beaucoup trop loin dans le regroupement et a empêché surtout le défenseur en faisant un écran de pouvoir intervenir. Il a retenu Niang qui avait déjà été auteur d'une bonne première performance sur le plaquage. Et donc une pénalité en faveur, vite jouée par Landaro qui ouvre maintenant. Et nous avons un coup de pied à suivre qui est donné par Mathis Barca et qui trouve une magnifique touche. Ce sera même une 50-22 puisque Mathis était dans notre camp. Très beaucoup de pieds, intelligence de jeu. On voit que le schéma et l'occupation qui avait été décidé par Jean Marco et Eric Escribano est aujourd'hui en application. La consigne était claire, allez jouer chez les Bergaliens, c'est ce qui a été fait. Donc premier lancé en touche pour notre talonneur, le 6 janvier, il faut le souligner. Le 6 janvier, Raphaël Carbou. Donc Raphaël qui va maintenant donc lancer en touche. On voit quand même que le vent se lève un petit peu d'ailleurs. Le drapeau au-dessus de lui souffle devant l'arbitre assistant, M. Michael Durand. Est-ce qu'on va viser Étienne Ergin sur un bloc de saut central? Non, c'est Romain Manquia qui prend le ballon à deux mains. Voilà, et tout de suite on lance. On a essayé de lancer Karl Ferns. Malheureusement, les choses n'ont pas pu se réaliser. Le ballon est perdu. Nous avons été contrés un petit en avant. Donc par mauvaise exécution sur ce premier lancement de jeu. Dégagement donc de Thomas Munilla qui cherche la touche et qui va trouver une touche aux environs des 40 mètres bergaliens. L'arbitre exagère peut-être un petit peu, il prend 3-4 mètres on va dire à son aise. Bon, on va le lui accorder, on reste quand même dans notre, dans le camp bergalien, donc l'occupation est garantie. Voilà, on en est concrètement à 2 minutes 30 de jeu, toujours 0-0. Deuxième ballon en touche récupéré maintenant par Gabin Miché, à nouveau pour Barca. Barca donc qui tente de taper au centre du terrain, un premier ruck avec une sortie pour Landaro. Karl Ferns qui fait jouer sa puissance, pris à la tête, il est pris très haut. Normalement, monsieur l'arbitre, là il faut siffler une pénalité, il ne le fait pas. A-t-il été aveugle sur le coup? Romain Manquia en percussion, soutenu par Étienne Ergin et Pierre Aguillon. Une sortie de ballon pour Landaro avec Ferns, avec une légère tentative de leurre par Fontaine. Landaro qui rejoue au pied et qui cherche la touche, va-t-il la trouver? Non, malheureusement, le ballon sort directement. Donc c'est un renvoi aux 22 mètres qui va donc pouvoir être effectué par le demi d'ouverture bergalien Nicolas Villemain. Voilà, un petit temps de pause. Et nous allons repartir donc avec... Non, le ballon est sorti directement en... Oui, le ballon est sorti directement en ballon mort. Donc effectivement, eh bien, nous aurons une mêlée au départ du coup de pied qui a été donné par notre demi de mêlée Martin Landaro, puisque vous l'avez vu, le ballon est sorti directement dans l'embut de la zone de jeu. Voilà, donc première mêlée, important, 3 minutes 58 de jeu. Vous êtes plus de 400 à nous suivre actuellement en direct, donc c'est quand même une très belle performance. Le match de l'Argentine a dû s'achever, je pense. Et donc voilà, vous nous rejoignez de plus en plus nombreux. Première mêlée, donc que va-t-elle donner? L'opposition Romain Favaretto face à Fabien Lorenzon, les deux copains formés ensemble. Voilà, introduction du demi de mêlée bergalien Munilla, ex-joueur de Béziers, faut-il le souligner, hein. Voilà, mêlée stable, une première attaque bergalienne avec Plessis Couillot. Plessis Couillot qui sert son ailier en relais. Ah, une balle mal orchestrée, mais un rebond du pied. Magjane qui récupère maintenant, mais qui est pris au sol, qui garde le ballon. Non, mais par contre, les Bergaliens passent hors-jeu, au-delà de la ligne de jeu. C'est ce que signale l'arbitre. Donc, pénalité pour les Carcassonnais sur, on va dire, un peu plus que la ligne des 40. Allez, donc Gabin Miché va aller chercher une touche. L'assurer, avant toute chose, est une priorité. Rien ne sert d'aller tenter de toucher le touche à 5 mètres. Gabin donc qui s'élance, qui tape, voilà, et qui trouve une touche à l'entrée des 22. Toujours un problème avec cet arbitre de touche qui semble quand même vouloir éperdument gratter chaque fois 4 ou 5 mètres. Voilà, bon bref, on n'est pas encore dans nos 22. On va dire donc deuxième lancé pour Raphaël à hauteur des 30 mètres, voilà. Quelle combinaison va être choisie? On a vu que sur les deux premières touches, on avait cherché Romain Manquia en fond de bloc. Là, un changement risque de s'imposer, peut-être Étienne Ergin. Afin de développer une chariote. Voilà, Étienne qui prend le ballon. Ferns, Ferns pour Carbou. Carbou pour Darrel Latour. Non, Carbou qui poursuit tout seul. L'heure avait Darrel Latour. Mais voilà, bien entendu, le ballon est gratté par les Bergaliens.
Raphaël Carbou qui conserve le ballon au sol, qui ne le relâche pas. Et donc nous avons une pénalité qui est accordée au Bergelais. Voilà, donc nous sommes à 6 minutes quasiment de jeu. Pour le moment, on va dire que l'occupation et la domination territoriale sont plutôt carcassonnaises, mais ce n'est pas une franche domination. Et nous n'avons pas donc de situation, on va dire, très dangereuse. La touche qui a tenté d'être sauvée par Léo Darré-Latour avec un exploit technique. La piscine de Pierre Rajon n'est pas loin. Il a tenté le plongeon, mais il n'y est pas arrivé. Une touche donc pour les Bergeliens, à l'opposé de tout à l'heure. Elle est aux 30 mètres carcassonnés. Première touche donc en faveur des Bergeliens. Le contre carcassonné qui s'est souvent illustré quand même cette saison, il faut le noter. Hein, puisque nous avons quand même une bonne situation en touche sur nos matchs à domicile notamment. Mais le contre n'a pas été efficace du côté de Nice. C'est l'arbitre qui s'énerve un peu pour faire respecter le couloir. Ballon bien pris à deux mains par les Bergeliens qui développent leur attaque. Munilla qui passe immédiatement. Plessis Couillot qui tente de rattraper. Interception de la part de Niang. C'est très bien joué. Qui donne à Pierre Aguillon qui tape à suivre. Pierre qui tape à suivre. Mais le ballon qui va mourir en touche. Mais ce n'est pas un 50-22 parce que Pierre était déjà dans le camp bergelien. Voilà. Et donc une touche pour les Carcassonnais. Une très bonne défense. À noter quand même le bon début de partie de notre ailier Mamadou Niang, très présent à la fois défensivement et sur les deux ballons offensifs, on va dire qu'il a essayé de les exploiter d'une bonne façon. En tout cas, un bon début de match de la part des Carcassonnais. Mais il faudrait peut-être essayer de concrétiser rapidement cette domination, au moins par 3 points. Un lancé en touche, mais qui va être donc par Raphaël Carbou, puisque c'est un Bergelien qui a sorti le ballon au dernier moment. Raphaël Carbou, ah, malheureusement, nous perdons le bénéfice de la touche. Les Bergeliens vont essayer de se dégager de leur temps, donc avec une sortie de la part donc, du talonneur Kribach. Voilà, une zone de ruck. Les Bergeliens font encore un temps de jeu pour essayer de se donner peut-être un peu plus d'angle. On attend la libération du ballon. Pas difficile de vous faire vivre ces temps de pause. Voilà, dégagement donc de Munilla, mais le ballon ne va pas sortir en touche. À la réception, nous avons Niang. Niang qui relance pour Max Gianné. Max Gianné qui tente d'aller tout droit. Il passe un plaquage cassé, deux plaquages cassés. Bonne libération de balle. Landaro. Landaro pour Lorenzon. Lorenzon pour Fadli. Fadli, temps de ruck. Libération de l'autre côté, forte bergelienne, absolument manifeste. Hors-jeu, l'arbitre, il y a un avantage. Joue-le, Martin. Et nous avons Pierre Aguillon qui est plaqué sans ballon. L'arbitre revient immédiatement donc à cette pénalité. Et l'occasion peut-être, c'était Barca pardon, qui avait été plaqué sans ballon. Donc une pénalité sur les 40 mètres, quelle va être la décision? Le banc carcassonné pour le moment ne donne pas de consignes. Nous attendons de voir ce que Jean-Marc et Eric Escribano vont décider. Non, on va chercher la touche visiblement. Donc, non, Romain Banquier indique les poteaux. Donc première tentative de pénalité pour nos jaunes et noirs. Croisons les doigts, c'est Gabin Miché qui va, à l'absence de Gaëtan Pichon qui est sur le banc, s'essayer au tir au but. Voilà, donc première tentative, peut-être prendrons-nous le score. Voilà donc, Gabin Miché, vous le savez, qui arrive de Clermont-Ferrand, qui pour le moment donc a réalisé 18 points. Depuis le début du championnat, puisque ce n'est pas notre buteur attrité, il vient juste en remplacement de Gaëtan qui a quand même fait une bonne performance sur ses premières prestations. Première pénalité donc pour nos couleurs. Nous sommes à 43 mètres, légèrement sur la droite des poteaux. Le vent est quasiment absent. Gabin tentative, le ballon part très bien, il va passer entre les barres. Magnifique coup de pied de la part de Gabin Miché. 3-0 pour les jaunes et noirs. Voilà, le match débute sous les meilleurs auspices. Maintenant, on sait très bien que ça avait débuté de la même façon à Blagnac, ça avait débuté de la même façon à Nice. Mais malheureusement, ça s'est mal fini. Donc écoutez, souhaitons que les choses puissent continuer exactement sur un schéma différent que celui que nous avons connu. Les Bergeliens partent un petit peu devant le coup d'envoi, mais l'arbitre, comme traditionnellement, ne le voit pas. Bonne réception de Darré Latour, qui prend quand même un bon carton. Il se fait secouer sur la réception. Sortie de balle maintenant, donc qui va être orchestrée par Martin Andaro. On va développer un temps de jeu supplémentaire avec Lorenzo. C'est Fabien qui prend le ballon, soutenu par Florent.
Raphaël Carbou en couverture, accompagné également de Pierre Guillon qui vient un peu déblayer dans le ruck. Landaro, une sortie de balle longue là pour Gabin Miché. Gabin Miché qui assure au pied, qui trouve une touche à hauteur quasiment de la ligne médiane. On va voir si cette fois-ci l'arbitre de touche va nous croquer. Il nous croque encore aux 3 mètres, comme sur les deux touches précédentes. Et donc une touche légèrement dans le camp carcassonné. Le deuxième lancé bergelien, pardon, de l'après-midi. Pour le moment, il y a eu 3 lancés carcassonnés qui, malheureusement, n'ont pas donné d'action réellement dangereuse. Le premier lancé qui avait été assuré en milieu d'alignement par les bergeliens. Sur leur deuxième lancé du talonneur Mohamed Kribach. Nous allons voir donc qui va prendre le ballon. Et un ballon qui est volé et le couloir n'a pas été respecté. Un ballon qui est joué vite donc par Martin Landaro qui développe avec Barca. Barca qui tape à nouveau au pied et qui va trouver une touche à hauteur des 30 mètres. Voilà, c'est peut-être pas la première intention qu'il avait. Je pense qu'il voulait toucher certainement et trouver une touche beaucoup plus longue. Mais son coup de pied a été très légèrement dévissé, il faut le dire. Mais quand même, on trouve une touche correcte. Et comme le souligne en régie, par contre, l'arbitre de touche de notre côté, qui est monsieur Guillaume Ferrer, lui, ne nous a rien pris, il ne nous a rien volé, puisqu'il est exactement à l'endroit de sortie du ballon. En même temps, ce n'était pas difficile, le ballon est retombé juste devant lui. Donc, pour une fois, personne dans les tribunes ne peut râler. Allez, un lancer qui est assuré par Kribach pour les Bergeliers. Un ballon qui est pris avec une première attaque en première intention de la part de Poutazi Luafutu, l'Australien qui est un véritable danger, qui est le porteur de balle bergelien et l'homme le plus puissant ce soir, on n'en doute pas, sur le terrain, qui est très souvent utilisé. On sait quand même qu'il a évolué à un niveau de jeu plus élevé que la nationale. Une sortie de balle pour Munia qui tape un coup de pied à suivre. Nous avons Maxime Gianni qui est à la réception. Tranquille, Maxime qui est sur dans les airs, qui relance. Le ballon malheureusement, alors maintenant nous avons Landaro qui tape à suivre, un bon coup de pied mais qui va être récupéré par l'arrière bergalien Nicolas Cachet. Nicolas Cachet qui tente une relance, qui est pris par contre par Barca, la ligne de défense. On ne se consomme pas avec, bien sûr, une tentative de percée de Luafutu. Et là, maintenant, un coup de pied du demi d'ouverture. Nicolas Villemain à la réception. Nous avons Niang, très sûr. Bien pour Maxime Gianni. Maxime qui est pris sur la ligne des 5 mètres. Romain Manca qui se bat dans le ruck. Romain solide, très sûr. Sortie de balle, Martin Anadro pour Ferns. Ferns en percussion. Première intention. Voilà, c'est très bien. Raphaël Carbou qui fait le travail. Les frères Lorenzo, bien entendu. Les libérations de ballon sont très propres. Côté carcassonné, on peut le dire depuis le début du match. Martin Andaro qui assure au pied. Ce ballon va être récupéré avec... Non, il n'y a pas eu un en avant. On y croyait, si. Voilà, je l'anticipais. Vous avez vu. Non, l'arbitre qui dit qu'il est en arrière. Une décision d'arbitrage que l'on peut qualifier d'assez incompréhensible. Mais nous récupérons le ballon. On l'a gratté, Martin Andaro. Martin Andaro qui tape à nouveau au pied, qui cherche une petite touche, qui malheureusement ne va pas la trouver. Et c'est plutôt donc à nouveau caché l'arrière bergelin qui va pouvoir se dégager et qui cette fois-ci va trouver la touche à hauteur du banc carcassonné devant Jean-Marc Coé. Cette touche va être quasiment sur la ligne médiale. Voilà. Donc on va dire pour le moment donc un début de match de bonne qualité de la part de nos couleurs avec des sorties de ruck propres, une volonté de dynamiser le jeu. Et sur les phases de conquête, des choses qui sont pour le moment assez qualitatives. 3-0, nous en sommes à 13 minutes 58 de jeu, quasiment 14 minutes. Quatrième lancé pour Raphaël Carbou. Raphaël qui lance donc sur... Ah, c'était un lancé sur Fadli, malheureusement Fadli a été débordé. Un problème en touche quand même, 4 lancés, on a déjà perdu 50% de nos ballons, avec deux touches qui ont été perdues. Libération bergeline donc avec un coup de pied certainement à suivre de la part de Thomas Munia. Voilà, un jeu au pied, ils usent et ils en abusent, un peu long. Maxime Gianni légèrement en dehors de ses 22 mètres qui peut récupérer le ballon et qui part droit. Il est pris à hauteur du ballon, le plaquage est correct. Libération de balle avec Carbou qui part plein centre du ruck et qui s'échappe, qui franchit la ligne médane, qui est repris par les demi-mêlés bergeliens. Ah, par contre, non, on n'est pas pénalisé avec une sortie pour Gabé Miché. Le jeu au pied très beau pour Pierre Aguillon sur son angle. Et Pierre Aguillon qui commet un en avant au moment de récupérer la balle, malheureusement, et le ballon sort en touche. Dommage, c'était une belle occasion d'essai. Attention, un joueur carcassonné est blessé, couché au sol. Il s'agit de Raphaël Carbou qui, sur sa percée, a été victime d'un plaquage assez appuyé, on va dire, mais dans les règles de l'art, tout à fait correct, il n'avait rien à dire. Mais Raphaël me semble avoir une douleur du moins costale ou le souffle coupé.
Voilà. Donc écoutez, on suit cela avec grande attention. Donc l'arbitre a arrêté le jeu le temps que le médecin de l'équipe carcassonnaise ainsi que le soigneur et kiné puissent intervenir. Mais ça va. Raphaël se relève plus de peur que de mal. Il va pouvoir donc regagner sa place. 15 minutes 35 de jeu. Pour le moment, tout se passe bien pour nos couleurs. 3-0. Et ça y est, nous avons le plaisir d'accueillir Damien qui nous rejoint et qui va nous livrer son expertise technique et son expertise également tactique, puisque aujourd'hui nous ne l'avons pas donc sur le terrain de Pierre Orageon. Il est avec nous aux commentaires dans les tribunes. Damien, merci de nous rejoindre. On doit vous entendre, ça y est. J'entends rien. Suite à l'en-avant donc de Pierre Aguillon, nous avons une mêlée. C'est la troisième mêlée. Damien, bonsoir. Bonsoir. On entend bien Damien? C'est bon? Voilà. Normalement, vous devrez avoir Damien qui nous a rejoint. C'est parfait, on l'a sur le son. Damien, donc 3-0 pour nos couleurs avec une mêlée Berjaline. Après cette action, on vous demandera, Damien, les premières impressions sur la tournure des événements. Donc avec une poussée Berjaline quand même, qui est assez prononcée, sortie de ballon. Avec immédiatement donc Ah, Léota dommage qui pour ce plaquage perce au manqué. centre du terrain. Léota qui se relève, qui n'est malheureusement pas plaqué avec Loifoutou au soutien. Une sortie pour Munia. Avec un coup de pied, il cherche le 50-22, mais Léo d'arrêt la tour est tout en contrôle. Il bien sort maintenant remplacé. de ses 22. Léo qui tape au pied. Un ballon qui va être à nouveau récupéré donc par le demi d'ouverture benjalien. Nicolas Cachet, l'arrière, qui va taper. Voilà, donc il lève une grande chandelle. Nous avons Gabin Miché qui vient à la réception. Voilà, qui est très sûr sur son contrôle et qui immédiatement relance. Sortie Landaro avec Fabien Lorenzon. Landaro et pénalité, malheureusement nous avons gardé le ballon au sol, donc l'occasion pour les Berjaliens de pouvoir prendre certainement les points. Damien, je vous laisse la parole, votre première analyse sur ce premier quart d'heure de jeu. Pour l'instant on occupe bien le camp berjalien, mais voilà, comme on a pu le voir sur ce contest berjalien, une mauvaise attitude de notre part au soutien qui ont pu favoriser le grattage du joueur berjalien. Donc, une tentative bien sûr de pénalité de la part de l'arrière benjamin Nicolas Gachet qui va tenter d'égaliser. À savoir quand même que c'est un homme qui est particulièrement adroit dans l'exercice des tirs au but puisqu'il est déjà à 65 points marqués depuis le début de saison. Donc c'est une efficacité face aux barres à hauteur de 88%. C'est quand même pas mal. Voilà. Et c'est le premier buteur et meilleur réalisateur de la Nationale 1. Allez, tentative de but de Nicolas Cachet. Nous étions debout depuis quelques minutes avec Damien, s'enflammant des prestations de nos jaunes et noirs. Nous nous rasseyons devant la pénalité berjalienne. Nicolas Cachet au tir au but. Le ballon part bien. Poteau, et le poteau, attention à la vigilance. Bien se parler sur tout, Léo bien se parler tour, de tout. Non mais ça va, c'est Maxime Gianni qui prend la balle, qui dégage, non, pas en touche. Matisse qui nous a envoyé une brave ogive. Relance Nicolas Cachet, plaqué cette fois-ci donc par contre Étienne Argent. Ah, et pénalité. Suivi d'un bon contre-rock de notre part. Nous apprécions l'analyse technique de Damien qui immédiatement voit la vision du contre-rock. Je me contenterai des phases plus statiques et de vous dire que Gabin Miché va donc chercher la touche. Tout à fait. En espérant qu'il sorte le ballon. C'est l'essentiel, Damien. C'est Tout la à priorité. Fait. Tout à fait. La touche est très correcte dans la nature du coup de pied à la longueur Tout et le à ballon fait. Sort. Mais cet arbitre de touche pour la quatrième fois consécutive nous vole 3 mètres. Oui, comme tous les week-ends. Laissons le faire. Une touche donc légèrement dans le camp berjalien. Touche importante parce que nous restons quand même sur pas mal de touches perdues. C'est ça, on vient d'en perdre 2 consécutives. Raph au lancer, Étienne. Super, allez. Voilà, on va pouvoir mettre notre jeu en place. Avec Fadli, allez, au centre ruck. Du terrain. Voilà, premier ruck. Libération de balle propre, Martin Andaro. Romain Manka. Bien, Romain. En percussion. Belle libération. Martin à nouveau pour Raph Carbou. Raph Carbou qui est pris. Troisième ruck, cinquième temps de jeu. Lorenzo. Le plaqueur. Le plaqueur qui ne sort pas.
L'arbitre ne le voit pas. Matisse Barca. Sortie de Landaro, c'est Ferns qui va hériter du ballon. Charge de Karl Ferns, voilà, en première intention. Très bien. On est en retard sur le ballon. Voilà, pénalité à nouveau pour les Carcassonnais. Et immédiatement, le banc Carcassonnais signifie qu'il faut prendre les 3 points. On a vu Jean-Marco et Eric Escribano lever la main. Tout à fait, ils ont raison. Sur un match à l'extérieur, il faut se payer et prendre les points. Analyse très lucide de la part de Damien. Et l'occasion donc pour nous de pouvoir éventuellement mener 6-0. Alors je vous remercie parce que je suis en train de vous dire que je lis avec grande attention les commentaires que nous recevons avec Damien. On vient de recevoir quelques commentaires de l'ami Pika, David Sanz, mais aussi de Clément Doumain, qu'on tient à remercier et à saluer. C'est vraiment très agréable. Et aussi un commentaire de la part de Nasser Terki, qui aurait dû être aujourd'hui avec nous. Et un et tir au but magnifique très de la part frappe de Gabin Miché, 6-0 Damien. Tout à fait, pour une moment, frappe tout en équilibre. Tout se passe très bien. Je passe un bonjour à mon ami Le Bulot, il se reconnaîtra. Voilà, merci à tous, vous nous écoutez. Écoutez, en tout cas, on voit que le nombre de spectateurs augmente. Vous êtes plus de 600 maintenant à nous regarder. On était 100 au début du match. Peut-être la prestation carcassonnaise est parfaitement appréciée. Je vois que sur le live, on nous dit que nos commentaires changent de TF1. Écoutez, alors écrivez à Boulogne, dites-le leur. Avec Damien, on arrive, on est prêt même pour commenter la finale. Tout à fait, peut-être. Allez, une Karl Ferns à la réception. Voilà, Karl Ferns qui échappe au premier plaquage, qui crée un point de regroupement. Allez, Damien. Une bonne sortie de camp de notre part pour valider ces 3 points. Elle est parfaite. C'est important la sortie de camp après avoir scoré. Très et c'est touche. Très bien fait. Voilà, c'est propre. C'est sur le toit de Pierre Rajon. Tout à fait. Voilà, Gabin Miché qui trouve tout une touche maîtrise. Quasiment à hauteur de la ligne médiane. Une sortie de camp parfaite. On sait que malheureusement, souvent, c'est un moment important dans une partie quand on vient de scorer immédiatement, de ne pas se remettre sous pression. C'est le cas. Allez, lancé qui va être effectué par Mohamed Kribach. Allez, surtout ne pas les attendre et aller les chercher défensivement. Pour gagner les premières collisions, très important. Exactement. Et si on pouvait piquer la balle en touche, se lancer droit, première sortie de balle, toujours Loafoutou avec bien. Les droits bien pris. Magnifique super plaquage. Plaquage à deux. Karl Ferns. Tout à fait. Gabin Miché également qui plaque avec Fontaine là. Barca qui tente de gratter, qui n'y arrive pas. Attaque bergalienne. Niang qui n'est pas formé à Marseille, cher Pika Pika. Une sortie allons de les balle chercher. Bergelienne avec bien une Romain. Percussion de Léandre Côté, le capitaine. Mutilla qui sort le ballon. Leur demi d'ouverture avec Letoa. Attention, aïe, qui aïe, est un aïe. Véritable poison, mais il est très bien pris là. Bonne prise de la part de Raphaël Carbou. Une nouvelle sortie Bergelienne. Sixième temps de jeu. Plessicouillou qu'on tout a rencontré fait. Du côté de Carcassonne qui tape un copier à suivre. Qui se remet à lui-même, qui s'échappe et qui donne la balle donc à Mutilla, mais tout qui fait, est bien rattrapé. Pris par Pierre Guillon. Attention, libération rapide de la part des Bergelières avec Kribich. Le ballon n'est pas en avant. À nouveau là, un temps de jeu. Donc, par contre, on voit que c'est Gabin Gascou, Robin Gascou, pardon, le second de ligne qui doit s'y filer pour assurer une sortie propre. Avec le capitaine, donc Léandre Côté. Sortie de balle de Thomas Munilla. Sur Plessis qui est pris. Très bonne défense carcassonnaise, attention, Fontaine certainement électrocuté un peu au niveau du bras, avec Osman Dimen, l'anglais, en percussion, libération Munilla, à nouveau pour Robin Gascou, très actif à alimenté. Ce début de match, pénalité pour les Bergelais. Voilà, et attention, il va la jouer vite, non. Tentative, non. Simulation. Tout à fait. Damien, un commentaire sur cette phase de jeu où les Carcassonnais ont quand même très bien défendu, faut-il le dire? Oui, on a très bien défendu après un break de la part de Plessis, de Brieux, Plessis-Couillot. Donc, on a su ralentir ce ballon suite à cette percée et pour reformer la ligne. Dommage qu'on fait cette faute qui risque de nous coûter 3 points. Mais pour l'instant, on est bien dans le match, donc que ça continue. Nous saluons également, bien sûr, l'ami Denis Baïch de Ville-Gaillenc, l'homme à la petite voiture qui nous envoie un commentaire fort sympathique. Salut Denis, on sait que tu es devant le match, puisque ce week-end, tu ne peux pas être avec nous du côté de Domecq. Tentative donc de but bergelienne par leur arrière Nicolas Cachet. Tentative, on va dire, quand même assez simple, Damien, elle est au 20 mètres.
Oui, ouais, les plus simples généralement sont toujours les plus durs à taper. C'est sûr. Mais pas pour Et lui. finalement, non, pas pour lui. Même du talon, il l'aurait mise 6-3. Donc pour les Carcassonnais, nous sommes à 25 minutes et 30 secondes de jeu. Une très bonne entame, faut-il le dire. Que les choses se poursuivent ainsi. En tout cas, on répond présent, notamment dans les zones de rug, dans le combat physique. Et une domination légèrement territoriale à notre faveur. La remise en jeu va être effectuée par Gab Miché. Allez, reconstruire la pression. C'est important. Sortie de camp qui va être assurée par Nicolas Cachet qui ne trouve pas la touche. Maxime Gianet Merci. qui va récupérer le ballon. Voilà, avec beaucoup de dextérité, Carl Allez, Ferns qui frappez est fort. lancé comme un frelon. Carl Ferns qui tente de traverser le terrain mais qui est pris par la seconde ligne bergevinienne Oui, mais. qui malheureusement gratte le ballon. Tout à Voilà. fait. Encore une fois, on est en retard sur le ruck qui permet au Bergerien de gratter ce ballon. C'est dommage. Ça fait 3 fois que nous sommes pénalisés. Légère C'est douleur au poignet pour Karl. dommage, c'est trop facile pour Bourgoin. Une pénalité comme ça obtenue après 3 points. Karl Ferns qui est en train de se faire soigner. Souhaitons que ce ne soit rien de grave. On sait que son poignet le gêne de façon assez régulière. Il fait signe comme quoi il a un peu tourné. Allez. Nicolas Villemain qui va tenter de trouver la touche côté Berjalien. Une touche qui est trouvée à hauteur à peu près des 30 mètres carcassonnés, donc marquée par Monsieur Ferrer. Juste devant le banc carcassonné, on voit Eric Escribano accroupi. Lancé du talonneur bergalien Mohamed Kribach qui vient de suivre les consignes de la part de Romain Favaretto. Ouais, allez, une brave pizza, s'il vous plaît. Allez, une pizza, s'il te plaît. C'est en fond de touche. Ce n'est pas droit. Ce n'est pas droit. Oh, Mais l'arbitre est l'arbitre. gentil. Voilà, l'arbitre est très gentil. Voilà. Par contre, Poutassi Loifatou n'a pas joué ce bras cassé de l'endroit où il fallait. Donc l'arbitre vient de le reprendre Tout immédiatement. à fait. Qu'a sanctionné, monsieur l'arbitre? Je pense qu'il a sanctionné le couloir. Ouais. On a dû prendre le couloir, Il indique à une mon mêlée. avis. Donc ouais, mêlée. Deuxième mêlée seulement de la partie, faut-il le noter, hein? C'est vrai qu'il y a eu seulement troisième mêlée, pardon. Troisième mêlée de la partie, Eh il n'y a eu oui, que Étienne Argent qui a raison, le lancer deux n'était pas amènes. droit. Une introduction donc pour les Bergaliens par le début de mêlée. Munilla. Munilla, ancien Biterrois, qui souhaite se réjouir de la victoire des siens hier contre Colomiers. Allez, introduction donc pour Munilla. Va-t-on voir une poussée bergaline comme sur la mêlée précédente? La mêlée Elle est plutôt est assez stable. stable. Là, Ah, dommage. voilà. Munilla qui sort le ballon avec toujours le Tao en percée pour Plessis-Couillot. Très bien Beau pris par Pierre Aguillon. plaquage de Pierre Aguillon. Il n'y a rien. Le public conteste inutilement, comme souvent lorsqu'on joue à l'extérieur. Allez, une sortie de balle de Munilla. Munilla pour cacher. Côté opposé pour l'ailier Paul Champ. Eh oui, Paul mais. Champ, très jeune ailier, mais très tonique, très dynamique. Et ballon remis toujours en arrière. Sortie Munilla pour Villemain. Villemain pour les toits. Ne pas rater les plaquages, c'est important. Attention, deux plaquages manqués. Par contre, il y a un contact entre deux joueurs bergeliens. Il y a même un écran qui n'est pas pénalisé par l'arbitre Osman Dimen qui est à la percussion. Avec une tentative de Krimich Beau de partie. plaquage, hein. Très bon plaquage. Et pénalité. Tout à fait. Qu'est-ce qui est pénalisé? Le bergalien qui passe au-delà. Tout Qui à fait. plonge. Tout à fait. Voilà. On n'est pas loin de la piscine, c'est normal. On plonge, c'est une tradition locale. C'est Robin Gascou, le second de ligne. Après, on voit que dans l'ensemble, on est quand même assez bien défensivement. Alors Mais on me bon, signale on. également, lorsqu'on regarde à la vidéo, que Étienne gratte parfaitement le ballon quand même aussi. Donc, il y a deux choses. Premièrement, le grattage d'Étienne qui est récompensé. Et le plongeon bergalien. Tout à fait. Comme je disais. On voit qu'on est bien défensivement, on monte bien les chercher, mais c'est dommage, on relâche un peu trop de plaquage. Voilà, une touche qui est trouvée sur la ligne médiane. Elle est parfaitement marquée. Ça lui sert quasiment de repère. Légèrement, très légèrement, dans le camp carcassonné par M. Ferrer. Lancé. Sixième lancé. Sixième lancé de la part de
Raphaël Carbou a noté qu'en touche pour le moment, on a perdu quand même 4 ballons. Hein. C'est notre point faible de la soirée. Tout à fait, donc, mon Eric Bay, tout à fait. On va corriger ça. Là, c'est Raphaël. Allez, c'est parti. Romain Mankia, très belle balle prise à deux mains. Landaro, Landaro pour Miché, Miché pour Niang. Niang pour Pierre Aguillon, Pierre Aguillon. Oh, dommage. Malheureusement, qui part directement dans les tribunes opposées de Pierre Rajon. Léo Daré Latour, malgré le saut d'ange, illustré par sa lumière blonde, n'a pas pu. L'option était bonne, la réalisation était un peu moins bonne. C'est dommage. Voilà. Il y avait de l'intention pour une attaque en première main. Mais malheureusement, la passe de Pierre Aguillon n'a pas été bien exécutée, n'a pas trouvé preneur. Lancé en touche bergelien par Kribich. À la même hauteur d'ailleurs, on a quasiment. On n'avait pas gagné de terrain, on est toujours légèrement dans le camp carcassonné. 6-3 après 31 minutes de jeu. Très bonne prise en touche de la part de Kevin Chaudouard. Les bergeliens qui tentent de développer leur première tortue de la soirée. Premier groupe pénétrant, on sait que c'est aussi une spécialité locale. Très très bonne défense carcassonnaise, mais les bergeliens repartent sur un deuxième temps pénalité. Monsieur l'arbitre estime que Fontaine est passé hors jeu. Coup de pied à suivre au-dessus de la ligne récupéré par Pierre Aguillon. Voilà. Heureusement, il s'en fallait de peu, donc l'arbitre revient à l'avantage. Et donc pénalité en faveur des bergeliens sur la ligne des 40 mètres. 40 mètres, tout à fait, Eric. Voilà, donc le choix va être donné, soit de prendre les 3 points, soit de la touche. Quelle va être leur décision d'après vous, Damien? Je pense qu'ils vont opter pour les 3 points. Allez, on va voir si vous auriez dû jouer au loto un vendredi 13. Ouais, certainement, puisque le buteur teste pour savoir s'il y a du vent. Tout à fait. Voilà. Ça y est, les poteaux sont indiqués. Donc tentative de but par Nicolas Cachet. 68 points déjà cette saison, meilleur marqueur de la nationale. Un petit temps de répit, une petite minute, le temps que l'arrière bergelier se concentre sur son tir au but. Allez, nous continuons à saluer toutes celles et ceux qui sont présents sur le live en direct. Ah, un commentaire également de Laurence. Et oui, l'épouse de Denis à Ville-Gaillenc, qui nous remercie, qui nous dit qu'on est fantastique. Tout à fait. On doit tout au talent de Damien et à la régie, à la technique, à Arsène, à Élie, aux hérétiques et à Philippe, qui sont avec nous et qui nous encouragent aujourd'hui. Tentative de but bergelienne. Et le ballon passe entre les poteaux. Égalisation bergelienne. On est donc à 6-6 après 33 minutes de jeu. Voilà, donc je vous rappelle brièvement, 6-6, 33 minutes ici à Pierre-Rajon, deux coups de pied partout. Deux de la part de Nicolas Cachet, deux de la part de Gabé Miché. Voilà. Et on renvoie donc en faveur des Carcassonnais. Une partie pour le moment agréable, mais dans laquelle nous ne voyons pas d'essai. Le ballon est reparti. Attention, donc réception qui est assurée par Christopher Bosch, le Sud-Africain qui est l'ailier bergalier. Une sortie de camp qui est tentée par Léandre Côté. Avec Thomas Munia qui va jouer au pied. Il faudrait mettre une pression dessus parce que c'est pas un joueur qui est très à l'aise sur le jeu au pied quand même. Mais qui trouve quand même une très bonne touche. Une très bonne touche sur la ligne des 40. Pour un nouveau lancer dans Carcassonne. Vous avez raison Damien, on manque peut-être un peu d'agressivité sur les sorties de camp. Hein. Plus de pression sur le demi-domé adverse. Tout à fait, surtout que les coups d'envoi sont plutôt bien tapés de la part de Gabin. Donc... à nous de continuer à monter et les presser pour justement trouver des touches un peu plus courtes et pouvoir mettre notre jeu en place. Donc j'espère qu'on va réussir à faire un bon lancement de notre part pour les mettre sous pression. Raphaël pour le 7ème lancer en touche. Romain à nouveau, très belle balle. Voilà, allez. On tente un groupe pénétrant. Bon, c'est parti pour une chariote, Damien. Un bon ballon porté. Voilà, très bon ballon porté avec le Raphaël. Le 5 est à la faute. Voilà, Raphaël, les bergeliens pour le moment ne se mettent pas à la faute. Mais les Carcassonnais ont déjà gagné 2-3 mètres, on va dire, c'est un premier arrêt. Et Fadli qui s'échappe du regroupement, qui va taper en premier il bloc. Part seul. Une balle libérée pas trop rapidement, quand même. Etienne Erjan qui est repoussé par la défense des Grenats. Avec Favaretto en percussion, bien aidé d'ailleurs par son frère. Hein. Les deux frangins, Karl Ferns, bien pris au ras du groupement. Pénalité pour un léger plaquage haut. On la joue, Etienne Ergent qui libère sur une chistera pour Landaro. Landaro pour Miché. Miché Aguillon, ça part à toute vitesse. Aguillon qui repique à l'intérieur. Landaro, sortie de balle à nouveau. Pour Romain Manca.
Le capitaine Carcassonnet, généreux, comme on le sait, a son habitude de Léo Daré la tour, qui tente de partir. Oradur qui libère son ballon, c'est très bien joué. Nouvelle pénalité. Et avec Martin Andaro qui change de côté, par contre, Karl Ferns pris à l'entrée des 22 mètres. Et Landaro qui tente une échappée magnifique, qui sert. Oh, oh non, dommage. Dommage. Il a tenté de servir Raphaël Carbou, mais tout la balle fait. A été interceptée. On voit toute l'expérience de ce Martin Landaro. Dommage que la concrétisation ne soit pas au bout. Et comme nous le signale Tchik, Damien vient de nous lâcher un magnifique tout à fait. Et d'après Tchik, ça lui rappelle les grands temps de Thierry Roland. Tout à fait Thierry. Tout à fait mon Eric. Exactement. Merci pour vos commentaires sur le chat, on adore. Et oui Mathieu Brubala, c'est bien Gilles qui commente. Tu as reconnu ma voix. Daniel Garcès, on te salue, quel beau duo au micro, merci pour tes louanges. Allez Damien, je te laisse prendre la main pour la tentative de pénalité, la troisième de Gabin Miché. Souhaitons que nous ayons un sort identique aux deux premières, 100% d'ailleurs pour les réalisateurs, hein, les deux Bergelaines et les deux Carcassonnaises. Non, ah non. Il y a eu un poteau du C'est Bergelien. Vrai, il y a eu un poteau, Damien est plus vigilant que moi. Je m'étais retourné pour regarder si Arsène travaillait bien à la technique. Et j'avais oublié le poteau. Ou alors c'est l'âge. Qui fait que quelquefois la mémoire peut faillir. Allez, Gabé Miché. Tout à fait. L'entrée des 22. Pénalité similaire d'ailleurs hein, sur l'emplacement à celle de Nicolas Cachet tout à l'heure. Exactement, qui pourrait nous passer devant à 9 à 6, qui serait très intéressant. Le public bergalien qui siffle, très sportif. Et ça les passe. 3 points. Voilà. Très bien très tapé. Très bon coup de pied. Gabin Miché, 37 minutes Allez. De jeu, Bourgoin 6, Carcassonne 9. Nous sommes devant et ça vient récompenser quand même 3 minutes de temps de jeu qui était bien orchestré depuis. Exactement, maintenant il faut le valider par une bonne sortie de camp de notre part. Allez Damien. Renvoi, vieux main, renvoi long, hein, un comme peu toujours. Facile. Avec Miché qui réceptionne et qui ne se pose pas de questions. Voilà. Ah, et une bonne très belle touche. Très belle touche. Magnifique touche 10, Gabin de la Miché. Part de Gabin Miché qui dépasse la ligne médiane et qui va même chercher au grand désarroi des Isérois une touche sur les 40 mètres locaux. Sous les encouragements de Jean-Marc Coé, très satisfait pour le moment de la prestation de ses joueurs et les prestations qu'on va qualifier de sérieuses d'appliquer. Tout à fait. Allez, lancé de Mohamed Kribach. Les Bergaliens qui sont assez sûrs sur leur touche. Voilà, avec à nouveau, c'est la même. Chaudouard, Kevin qui récupère le ballon. Avec Kribach qui sort. Il faut le prendre tout de suite. Bon plaquage de Landaro. Martin Landaro. Sortie de ballon légèrement dans le camp. Toujours pareil avec Lou Afatou qui tente de taper, mais la défense carcassonnaise est tout. Vigilante, avec Plessis Couillot, bien pris, Niang qui, oh le ballon est passé à touche, monsieur l'arbitre. Très beau plaquage de Pierre Aguillon. Allez, Raphaël Carbou, mais là une touche, mais par contre je suis convaincu que sur la percée de l'ailier bergalien, dommage pour notre Carbou international, qu'il n'ait pas pu poursuivre à pied, on connaît voilà. Ses talents de footballeur. C'est ça, on sait que jeune, il a joué à l'ESN de Port-la-Nouvelle, exactement. Pour un si jeune joué à Port-la-Nouvelle, c'était un pied droit magique. Un affront fait à ses amis, mais il a assumé son statut. Et puis après, il a préféré passer au rugby sous les couleurs si jeunesse, narbonnaise, puis catalane, avant de rejoindre pour son plus grand bonheur l'USC. Raph au lancé, 8e lancé pour les Carcassonnais. Allez, Carbou. Vas-y, Raph, c'est parfait pour Étienne Erjan. La touche n'est pas droite. Mais malheureusement, là, l'arbitre est sévère. C'est vrai qu'il aurait pu quand même laisser passer la chose. Mais comme je l'ai dit en début de rencontre, sur les deux derniers matchs, il a sifflé 52 fois. C'est quand même un homme qui aime se faire respecter. Tout à fait. Allez, une mêlée. Nous sommes maintenant à 30 secondes. Alors bien sûr, on n'a plus le chrono officiel. Donc l'arbitre peut laisser jouer un peu plus de temps qu'il ne le désire. Mais si on est sur le temps de jeu réel, on serait là à 39 minutes et 30 secondes de jeu, sachant qu'il n'y a eu que quelques secondes d'arrêt de jeu sur la blessure légère de Karl Ferns. Donc on ne devrait pas être très loin de la dernière action. Avant la première mi-temps, souhaitons que la défense carcassonnaise soit vigilante afin que l'on puisse tourner sur un score qui nous est favorable. Tout à fait. Merci Axel pour votre commentaire d'encouragement au passage. Introduction donc pour Thomas Munir. Une bonne mêlée, ce serait important. Voilà, la mêlée est stable. Bien.
Allez. Très stable. Il faut sortir la balle là. Surtout voilà. Aller les chercher, ne pas les attendre. Pour Vieux-Main. Vieux-Main pour Milian, retour. Plessis ah là là, plaquage. Voilà, très bien rattrapé. Très bien. Mais une poursuite de jeu par Munia, une libération de balle. Attention, ça vole de main en main avec maintenant Favoreto qui a le ballon. Une belle action Berjaline. Munia qui va libérer le ballon, qui change de côté pour cacher. Cacher qui revient dans le trafic. Plaqué il par Martin Landaro. Peut-être une tentative de drop. Non, même pas. On joue encore un temps de jeu avec le capitaine Léandre Côté. Je ne pense pas que le 12 Berjalien puisse tenter le drop. Attention. Avec le Sud-Africain qui vient s'intercaler côté opposé. Il s'agit de Christopher Bosch. Nouvelle sortie de Munia. Ça part sur Robin Gascou. Robin Gascou, le ballon va nouvelle. Septième temps de jeu. Léa Foucault toujours, bien sûr. Loa Foutou est pénalité pour les Bergeliens. Alors qu'on pensait qu'un grattage avait été réalisé par Romain Manca, on le croyait. Ce n'est malheureusement pas le cas. Tout et à donc, fait. Les Bergeliens vont certainement prendre les 3 points. Ça va. Leur habité sévère. Ouais. Ça va permettre de rentrer sur un score nul. Et de parité. Pas nul, pardon. Un score de parité, tout simplement. 9-9, certainement, à la fin de cette première mi-temps. Puisque nous sommes donc dans les arrêts de jeu. Voilà, donc une nouvelle tentative de le but. De la part donc de l'arrière bergalien, Nicolas a caché pour égaliser. Finalement, le partage des points, on va dire, serait peut-être assez équitable. Oui, assez. Cette première mi-temps, Damien. Oui, assez équitable. Même si on a quand même eu une légère domination carcassonnaise. Voilà, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de parité. 9-9, une bonne première mi-temps, pas d'essai, mais quand même quelque chose d'assez agréable, on va dire, dans le comportement. Les joueurs bergeliens, par contre, font le choix de rester sur la pelouse, alors que les carcassonnés, eux, regagnent les vestiaires aux côtés de l'arbitre. On se retrouve dans une douzaine de minutes pour la deuxième mi-temps. Autorisez-nous le temps d'une pause à couper les micros. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre fidélité. Vous êtes près de 800 désormais à nous suivre. Merci pour vos commentaires. Et on se retrouve après la bière. Merci. Voilà, exactement. La bière aux côtés d'Amiens. Et pour moi, ce sera. Tout à fait, mon cher Eric. Merci.
Allez, chers amis, on se retrouve donc pour cette deuxième mi-temps, toujours en direct de Pierre-Rajon. On tient à vous dire qu'avec Damien, on a énormément de plaisir à être aux commentaires ce soir. Je vais demander d'ailleurs à Damien une analyse technique ou tactique sur cette première mi-temps. Oui, bah, tout à fait, mon cher. Déjà, j'ai l'honneur de commenter cette seconde mi-temps avec notre ami Marc Lièvremont, qui est tout à fait un grand ami de on nous voit Damien, d'ailleurs. Ancien entraîneur Christian Labitte.
Et oui, tout, alors pour faire simple, une première mi-temps assez sérieuse de notre part où on a réussi à concrétiser dans nos temps forts par les pénalités de la part de notre numéro 10 Gabriel. Donc maintenant à nous d'attaquer cette seconde mi-temps très fort pour pouvoir les mettre sous pression et les acculer dans leur camp pour pouvoir mettre notre jeu en place et concrétiser pour passer devant et les mettre sous pression. Merci Damien. Donc on voit bien sûr les commentaires sur le chat. Alors Pierre Escourou, merci pour ton gentil commentaire. Alors tu nous demandes d'être chauvin. Je pensais qu'on l'était un petit peu, on va essayer de l'être. Mais surtout, ce qu'on souhaite de tout cœur, c'est que nos couleurs jaune et noir puissent l'emporter et rapidement tuer le match dans ce début de seconde mi-temps. Exactement. Puis je voudrais passer une petite dédicace à notre groupie international, notre ami et fan de l'US Carcassonne, Anaïs Sergent, qui est devant sa télé comme une hystérique dès que son mari gratte un ballon. On pense très fort à elle. Alors, retour dans nos couleurs. Donc, les Bergeliens ne sont pas encore revenus. À noter qu'il n'y a aucun changement pour cette deuxième mi-temps. On repart donc avec les deux frères Lorenzo en tronche, accompagné donc de Raphaël Carbou. Je le signale à nouveau, c'est un peu de chauvinisme, Pierre, si j'en ai. En seconde ligne, le duo avec Romain Manquin, notre capitaine, et Fontaine. Et Fontaine, tout à fait. Voilà. Nous ne boirons pas de son eau, mais pour le moment, la prestation est solide. Et enfin, oui, en troisième ligne, notre trio, Carl Ferns, au centre de la troisième ligne, aidé par le jeune Fadli, auteur d'une bonne prestation en première mi-temps, ainsi que de l'inusable Étienne Ergent. Exactement. Bilal est un jeune qui s'entraîne avec nous depuis cette année et qui a un beau potentiel. On sait que ses qualités premières sont le plaquage et le grattage. Donc, on l'a vu plusieurs fois s'illustrer sur quelques plaquages. Donc à lui de continuer sur cette voie, de travailler encore un peu et pourquoi pas le voir encore sur quelques feuilles de match. Le retour également des Bergeliens qui reviennent en compagnie de l'arbitre. Souhaitons que cela ne soit pas de mauvais augure. À la mêlée, nous aurons toujours Martine Landaro et Gabin Miché. Au centre de l'attaque carcassonnaise, Pierre Aguillon avec Mathis Barca. Sur les ailes, Léo Daré-Latour et Mamoudou Yang. Je le prononce bien. Et enfin à l'arrière, l'homme de Fleury. Mon fils. Voilà, Maxime Gianet. Alors le coup d'envoi de la seconde mi-temps va être donné donc par Gabin Miché. 9 partout, les conditions de jeu n'ont pas changé. Elles sont identiques, le vent est même légèrement tombé, on peut dire. Et toujours pas de pluie malgré les nuages menaçants. Côté bergalien, je ne vois pas de changement non plus. On repart exactement sur les mêmes bases. Et d'ailleurs, vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Coup d'envoi de Gabin Miché, c'est parti. Un coup d'envoi à hauteur de la ligne des 22. Récupération un peu spectaculaire, mais on reprend la balle. On récupère le ballon, exactement, super. Maxime Gianet avec Raphaël Large, Carbou. Très belle passe de notre ami Carbou. Voilà, avec Gabin Miché. Il faut attaquer, bien Bilal. Avec Bilal Fadli qui creuse au centre du terrain. Sortie Landaro, Landaro pour Carl Ferns en percussion immédiatement. En première intention, Landaro, ballon qui sort rapidement également vite pour Flora Lorenzo. À nouveau Landaro qui s'agit de changer de côté pour Carbou. Carbou qui part tout seul, donne ta balle. Ah, malheureusement, Raphaël n'arrive pas à passer les bras. Et Romain Manquin léger en avant. Voilà. Et nous perdons le ballon sur une occasion d'essai que nous aurions pu concrétiser. C'est dommage, c'était une bonne opportunité pour pouvoir concrétiser. Vraiment, que nous n'ayons pas profité par Raphaël Carbou qui avait deux coéquipiers au soutien et à hauteur et ça aurait pu aller en dame et on aurait pu scorer dès ce début de deuxième mi-temps. Les Bergeliens ont tenté de sortir de leur camp de façon efficace. Mais mon cher Marc, on voit que nous sommes bien rentrés dans cette deuxième période. Exactement, tout à fait Thierry. Avec une sortie de camp qui est orchestrée par Thomas Munia qui va tranquillement trouver sa touche légèrement en dehors des 22. Premier lancé en touche, souhaitons que nous ayons pu corriger ce qui était quand même, on va le dire, notre défaut de la première mi-temps puisque nous avons perdu 5 ballons sur nos lancers, sur 8 lancers, si je ne m'abuse. 9, pardon. Allez, Raphaël, on est sécure sur ce lancer qui peut être l'occasion d'une belle rampe de lancement. Raphaël, donc avec une prise de balle, certainement par Romain Manquia, voilà, pour Martin Landaro. Une prise du milieu du terrain. Avec Fadli au centre du terrain et Pierre Guillon qui reprend la balle. Peut-être un coup à faire en occitan dans le renversé. De l'axe du ruck, ballon propre sorti par Martin Landaro. Un peu là, la libération de balle, Gabin Miché pour Max Gianet.
Maggiane avec Landaro. Eh oui, et par contre, on revient à la... Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Martin? L'arbitre ça joue. Oh, l'arbitre n'a rien vu, il avait le dos tourné. On ne dira rien, soyons chauvins. Karl Fernt, là par contre, le ballon est intercepté par les Bergeliens, malheureusement. Deux occasions manquées et le 15 bergelien Nicolas Caché qui va chercher la touche. Mais Léo Daré la tour, il ne faut pas laisser retomber la balle. Maxime Gianni se précipite. Une relance de Max. Oui, superbe crochet de la part de Max. Max qui passe mais qui est pris non par le pilier anglais Osman Dimen. Libération de balle par Martin Landaro. Les bergeliens sont hors jeu. L'arbitre ne le voit pas. Si, ça y est, il a le bras levé. On l'avait bien vu au commentaire avec Damien. On protège de l'avantage. Voilà, l'arbitre revient. Allez. Une pénalité en faveur de nos couleurs carcassonnaises sur la ligne des 40 mètres. Ne la jouons pas vite, Martin. On peut. Il faudrait prendre les points. Voilà, prendre les points. À mon sens, prendre les points. C'est le choix, Damien, que vous feriez. Tout à fait. Je prendrai les points pour pouvoir justement repasser devant. Jean-Marc indique d'ailleurs les points à noter sur le bord de touche. Et il demande également à nos joueurs d'être beaucoup plus vigilants sur les contre-rucks. Et oui, peut-être on a être vu plus présent au soutien. En première mi-temps, nous avons perdu deux ou trois ballons justement sur ces contre-rucks. On a tendance à être un peu à côté du ballon et non pas sur le ballon, donc qui permet aux Bergeliens de pouvoir gratter ces ballons. Nous saluons également Ludovic Canto qui sur le chat nous traite de pipe, Damien. Donc on assume notre statut, on est des pipes, exactement. Mais c'est pas grave. Nous la sommes prochaine ce fois, soir très fiers de l'être, donc salut Ludovic, compte tenu tes commentaires d'un haut niveau intellectuel, on te soutient dans ta démarche. Allez, une pénalité aux 40 mètres pour Gabin Miché. Souhaitons-lui de prendre le score. Un changement donc du côté bergelien, puisque nous avons la rentrée du numéro 21, Adrien Pontarolo, qui remplace Isaiah Leota. Peut-être une bonne nouvelle pour nos couleurs, puisqu'on sait qu'en première mi-temps, celui-ci a été quand même un poison sur les quelques rares ballons qu'il a eu à exploiter. Tentative de pénalité, donc 41 mètres, quasiment face au poteau. Condition idéale pour Gabin Miché, va-t-il poursuivre le 100%? On va le voir. C'est à toi ça. Non. Gabin qui s'élance de son pied droit. Tentative de but. Le ballon part bien et passe entre les barres. 100% de réussite pour Gabin. Superbe prestation ce soir dans le jeu au pied de sa part. Et donc, les Carcassonnais reprennent à l'image de la première mi-temps. Dès l'entame de cette deuxième mi-temps, le score. Nous menons donc sur le score de 12 à 9. Et le renvoi va désormais donc être assuré par Nicolas Villemain. Et toujours Damien, la traditionnelle sortie de camp à assurer. Exactement, assurer nos sorties de camp. À la réception, Étienne Argent. Très voilà. Belle passe, très belle prise de balle, pardon. Très belle prise de balle. Étienne Argent. Sûr dans les airs, comme à son habitude. Un ballon qui peut être propre, bien sécurisé par le paquet Carcassonne avec Karl Fernt qui tente une relance un immédiate. Large, Maxime Gianni, c'est très bien joué pour Maxime Gianni. Maxime Gianni qui prend l'intervalle, qui est maintenant quasiment sur la ligne immédiate. Martin Landaro, sortie rapide pour Fatli. On tape dans le premier bloc. Avec un plaquage bloc. Sans ballon. Plaquage sans ballon, non vu par l'arbitre de touche, qui ne lève pas le drapeau, encore un oubli, il a des œillères. Avec Léo Daré-Latour qui tente de partir au ras du regroupement, mais qui est bloqué. Bonne sécurisation de la balle par Fontaine. Landaro qui sort le ballon pour Miché. Miché sur le jeu au pied qui tente un 50-22. Mais Nicolas Caché est vigilant, pas trompé par le rebond. Il va désormais se dégager, trouver et assurer une touche. En faveur des Carcassonnais, légèrement donc à l'intérieur. Par contre, problématique, et on voit Jean-Marc Coé qui parle à l'arbitre de touche. Il y a un plaquage sans ballon. Le plaquage était sur un des jumeaux, je ne l'ai pas reconnu. Je pense que c'est Fabien. C'est Fabien qui en a été victime. Fabien Lorenzo plaqué sans ballon en sortie de ruck alors qu'il aurait pu prendre le ballon tranquillement et pouvoir s'échapper après la tentative de percée de Fadli. Mais malheureusement, l'arbitre de touche n'a rien vu. L'arbitre du centre, lui, avait le dos tourné sur l'action. Mais il n'a pas été bipé. Lancé Raphaël Carbou. Une bonne prise de balle en touche qui est assurée par Étienne Argent. À de même, belle prise pour Landaro. Landaro Miché. Miché pour Pierre Aguillon. Pierre Aguillon au centre du terrain. Pierre Aguillon qui résiste à un premier plaquage, qui s'enroule. Libération de balle propre. Propre pour Martin Landaro. Un travail sympa qui est effectué dans les rucks. On fait le boulot. Allez. Avec Fadli. Fadli plein d'énergie, plein de gaz. Peut-être remettre la pression par un jeu au pied.
Jeu au pied qui va être exécuté donc par notre demi de mêlée argentin aux 84 sélections, Martine Andaro. Sortie de balle propre. Allez Martine, elle est bien haute. Elle est, elle est bien tapée. Un elle peu est courte, courte. Mais Marciané qui est toujours très présent dans les airs, qui récupère le ballon. Malgré la pression d'Adrien Pontarolo, sortie Ferns, Ferns pour Carbou. On met de la densité physique et la volonté de mettre du jeu en début de seconde. Mais Andaro qui hésite, mais qui cherche lui aussi une sortie de touche qui n'aurait pas été les 50-22. Relance par allez, contre allez de la part de Paul Champ, louper. L'ailier bergelais. Il faut très le prendre bien plaqué tout de par suite. Etienne Argent. Il est bien pris par ah. Etienne Argent. Par contre, Pierre Aguillon. On va dire un déblayage quand même plus que limite dont a été victime Pierre Aguillon. Oui, mais le Gersois bon. Est solide. Voilà. Le Pierrot est solide. L'arbitre de touche l'a-t-il signalé? Non, il ne le signale pas, il ne le bipe pas. Coup de pied à suivre de la part du demi de mêlée bergelien qui sera en touche. Donc ce sera une touche pour les Carcassonnais, légèrement dans notre partie de camp. Allez, une reprise de seconde demi-temps depuis 6 à 7 minutes. On tente de jouer rapidement par Léo d'Arrêt Latour qui nous a montré l'art du crochet. Mais malheureusement, oui. L'action était inutile, l'arbitre avait sifflé. Allez, lancer de touche pour Raphaël Carbou. Prise de balle contrée de Romain Manquia, malheureusement par le second de ligne bergelien Léandre Côté. Avec un ballon maintenant pour. Allez, Bosque, surtout ne pas les attendre. Bosque, qui donne à Plessicouillo. Plessicouillo pour Caché. Caché qui tente une schistera sur le joueur qui vient de rentrer, Pontarolo. Libération de balle. Avec une sortie donc pour le pilier anglais, Ousmane Dimène, qui est auteur d'une charge. Mais Fabien Lorenzo, ah. Malheureusement, semble victime. Au sol, il est blessé. Il demande immédiatement le changement. Il demande le changement. Problème. Alors attention, avec une poursuite avec Oscar Nimen. Bien pris par contre. Bon plaquage de la part de Bilal Fadli. Maintenant donc le talonneur Mohamed Kribach qui relaie. Mais le bâton m'a l'air gratté au sol. Très 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 beau grattage de la part de notre troisième ligne. Bilal Fadli, auteur d'une belle partie. Bien, pénalité pour les Carcassonnais. Par contre, nous avons, Mathis Barca une vraie, qui a pris un coup de tête ouais. Sur le plaquage, qui a fait tête contre tête. Nous avons une vraie inquiétude pour notre jumeau joueur qui montre le signe d'avoir peut-être eu une extension, peut-être au niveau de la cuisse. Ouais. En tout cas, très belle séquence défensive de notre part. Récompensé par un grattage et on va changer la totalité de notre première ligne puisque nous allons avoir la rentrée donc de Lucas Petriachvili, de Dédé Urzaké et de Nicolas Narmania. Très belle touche trouvée par Gabin Michet. Alors pour le moment, nous avons... Si, c'est bon. La totalité de notre première ligne change. Souhaitons que ce ne soit pas... trop grave pour Fabien. Une rentrée de cailloux sur blessure. Dédé, Luca, Narmania. Mathis Barca qui s'est relevé après son choc tête contre tête. Et nous sommes maintenant donc sur un lancer de Raphaël Carbou, pardon, de Lucas Petriachvili avec Cédric Fontaine. Très bon lancer. Prise de balle pour Carl Ferns. Aïe, aïe, aïe. Conservé surtout. Mathis Barca, donc il reprend le ballon au centre du terrain. Léo Daré Latour qui va s'y filer dans le regroupement. Il aime ça. Sortie de balle pour Martine Annaro. Martine sur Carl Ferns, toujours qu'on utilise beaucoup en première intention au ras du ruck. Landaro, pénalité et avantage pour les Carcassonnais. Donc on continue, on profite de l'avantage. Il y a du monde à l'extérieur. Mathis Barca appelle le ballon. Ils sont hors jeu. Etienne Ergent qui rentre bien dans la ligne, qui maintenant 15 mètres, tentative de grattage de la part des bergeliens. Ce qui est raté. Et l'arbitre revient à la pénalité en faveur de nos couleurs. Et on voit Eric Escribano et prendre Jean les points qui ben oui. Immédiatement se précipite pour demander les 3 points. Et face au bar, bien sûr, à l'extérieur, on capitalise immédiatement et on sanctionne l'adversaire lorsqu'il est pénalisé. Eh oui, qui pourrait nous amener à 15 à 9. Et nous saluons Philippe Martinez qui nous rejoint sur les commentaires. L'ami Philippe qui nous dit oui, effectivement, il est miro l'arbitre. Il n'a pas vu coucou, Fifou. Coup de tête. Exactement. Il n'a pas vu le plaquage sans ballon. Également. Donc, tentative de but de Gabin Miché pour suivre le 100% et nous permettre de mener désormais 15 à 9. À l'image de la première mi-temps, où rappelons-le, on menait 6 à 0. Donc, de pouvoir scorer et prendre 6 points d'avance. En tout cas,
Quoi qu'il en soit, après maintenant 51 minutes de jeu, il faut le noter. On attendait ce soir et vous attendiez tous devant notre live. Vous êtes plus de 800. Une réaction de la part de nos jaunes et noirs, elle est effective dans l'état d'esprit, dans l'engagement. On peut dire que les choses sont exemplaires pour le moment. Et Gabin Miché passe la pénalité, 100% de réussite au pied, 5 sur 5 pour lui. Nous menons donc 15 à 9 dans ce début de seconde demi-temps. Avec un match sérieux, propre et appliqué de la part de nos couleurs, toujours pas d'essai. Souhaitons que s'il y en ait un, il soit carcassonné. Nous avons quand même eu les opportunités les plus dangereuses. Renvoi par le numéro 10, Nicolas Villemain. Une sortie de camp. Assuré ce renvoi. Nian qui récupère la balle quand même, légèrement qui a en arrière. Pris la pression. Mais ça va par contre, contre-ruck et ballon gratté par les Bergaliens. Et voilà, la première. Mais nous avons, c'est Lucas Petriashvili. L'arbitre estime que nous avons fait un en avant. Moi, j'avais vu un en arrière de la part de Mamoudou. Mais bon, bref. Peut-être sommes-nous trop éloignés de l'action. Je pense que c'est sur le grattage de Petriashvili qui est en avant. Alors, au spectateur nous signale que le numéro 21 de Bourgoin, c'est Rémi Boué. A-t-il interverti les maillots, puisque sur la feuille de match, il était avec le numéro 22. Je ne connais pas. Un spectateur berjalien assidu, un fan de l'Ovalie en Berjali. Et donc, on va se fier à son commentaire. Par contre, avec sûrement une entrée, à l'entrée oui. De Valentin Cessé et de Vaea. Vaea, notre joueur tongien, Tutula. Allez, une mêlée par contre dangereuse. Damien l'avait dit, toujours assuré la sortie de camp. Et sur la première sortie de camp que nous n'assurons pas, malheureusement, on se met en situation de danger avec une mêlée donc à 5 mètres. L'arbitre demande à la faire refaire. On s'est relevé avant l'introduction. Allez, une tentative d'introduction donc, qui va être effectuée donc, par le demi de mêlée bergalien Thomas Munilla. On est à la 54e minute de jeu, toujours 15 à 9 pour nos couleurs. Donc peut-être une opportunité de lancement de jeu dangereuse. On remercie Ben de la buvette du CSBJ. Voilà, une poussée, par contre, une très belle poussée carcassonnaise récompensée super par une travail. Magnifique pénalité. Super travail, Damien, de la première super ligne. Super travail de notre paquet d'avant, qui Bravo. Fait plaisir. Voilà, qui fait plaisir sur la première démêlée dangereuse que nous avions à subir. Eh bien, on prend l'ascendant. Et ça, il faut le noter, très belle mêlée carcassonnaise. Et là, donc, une pénalité à notre faveur qui va nous permettre de prendre un peu d'oxygène et de respirer. Henri Bedeil, on te salue. Bien vu, Damien. Une mêlée comme ça, c'est important, gagner à 100 mètres de notre ligne, ça peut faire mal aux Bergaliens. Voilà, Gabin Miché qui assure immédiatement donc cette pénalité sur le toit de la fameuse tribune opposée de Rajon. On pleure pas sur l'arbitrage, comme le dit un de nos commentateurs sur le chat, mais peut-être quand même aurait-il pu mettre 4 mètres de plus. C'est une entrée en force, changement total de la première ligne bergalienne dans l'intégralité. Également donc un changement de troisième ligne puisque Théophile Cotte sort. Donc 4 changements d'un coup côté bergalien et côté carcassonné, on vous l'avait signalé. Donc l'entrée à la place de Pierre Guillon de notre tongien surpuissant Vaea. Et la sortie de Fadli, il faut le souligner, auteur d'un très très bon match. Bilal Fadli pour sa première titularisation qui est remplacé par Valentin Cessé. Première habile, prise de balle en touche pour Romain Manquia. Landaro pour Fern, c'est un schéma classique. On tape immédiatement au cœur. Bien sûr, du se servir de Carl Fern, c'est un joueur puissant, plein d'expérience. Avec une sortie de camp qui est maintenant assurée par Martin Landaro. Voilà, un jeu au pied, de pression. Très bien tapé. Très bien tapé. Et très bien récupéré également par Champ. Sortie de balle pour Cotte, on est en défense, Valentin Cessé qui le prend haut, c'est très bien avec Narmania. Les Bergaliens également donc à l'attaque maintenant, avec un coup de pied haut également de pression. Maxime Gianet comme à son habitude sur ce genre de ballon et qui relance immédiatement. Par contre il y a un hors-jeu bergalien qui n'est pas sanctionné.
Martin Landaro qui sort toujours sur Carl Ferns. Carl Ferns en percussion, qui avance, qui fait avancer toute la machine jaune et noire. Et ses coéquipiers qui, je vous le rappelle, ont toujours 6 points d'avance après 56 minutes de jeu. Toujours Martin Landaro dans l'exploitation du jeu au pied. Martin, donc un coup de pied qui va retomber à hauteur de la ligne des 40 mètres très haut. Et Etienne Hergent tout de suite. Un plaquage très appuyé sur l'arrière bergelien, Nicolas Cachet. Sortie de balle côté bergelien par Munia. Munia qui va chercher son troisième milieu centre. Immédiatement, Luafoutou. Toujours Munia. On reste bien dans leur camp. Hein. Pour le moment, on est bien dans l'occupation. Tout à fait, un match très appliqué de nos clous. Attention, il va jouer au pied. Romain Manca tente le contre. Et là, une réception de balle immédiate par qui cherche l'espace libre. Gabin Miché. Ballon rendu au bergelien à l'entrée des 22 par Nicolas Cachet, qui lui, par contre, cherche à déplacer le jeu. Maxime Jeanne est sûr, qui aurait pu peut-être marquer. Peut-être un petit par-dessus. Oui. Non, il va trouver la touche. Il va trouver la touche tranquillement. Maxime, touche. Voilà, pleine de sécurité. Oui, tout à fait. Voilà. Notre Pérignanais, puisque les habitants de Fleury, vous le savez, ce sont les Pérignanais, donc Maxime qui trouve cette touche à hauteur des 40 mètres. Eh oui, Fleury, qu'il ne faut pas chercher, on le sait. Voilà. Allez, donc lancé de touche pour les Bergaliens, avec leur talonneur remplaçant qui est rentré sur la pelouse il y a quelques minutes, Louis Ponton. C'est son premier lancé de balle. Donc Louis Ponton au lancé, toujours 15 à 9 donc pour les Carcassonnais. Eh oui, vos analyses, mon cher Marc, sont très pertinentes. Comme toujours, vous le savez, sur beaucoup de sujets. Lancé donc. Ah, il a failli lober son sauteur, mais bien avec Romain Manquia qui... Non, c'est plutôt Etienne Hergent. Donc, il considère que Valentin Cessé... L'arbitre est très sévère. Très bon contre-rug de notre part. Ouais, de la part d'Etienne Hergent. Mais il considère que Valentin Cessé n'était pas lié. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il ne sait pas ce qu'il siffle. Peut-être, ou du moins une entrée sur le côté, mais nous on ne l'a pas vu. Donc une pénalité en faveur des Bergaliens, quasiment sur la ligne médiane, qui ne vont pas la tenter. Et par leur demi d'ouverture, Nicolas Villemain vont chercher la touche. Une touche qu'ils vont trouver légèrement à l'entrée des 22 Carcassonnais. Voilà, plutôt juste à l'entrée des 22, l'arbitre de touche copieusement hué par le public local, qui bien entendu avait vu une touche 10 à 15 mètres plus loin comme de tradition. Un nouveau changement, semblerait-il. Il s'agit de l'entrée, donc côté bergalien, de Kemelui Lavetano Koroy, un joueur fidjien. Damien, on va l'appeler peut-être Laveta, tout simplement, hein, pour s'épargner ce nom que nous aurons du mal à prononcer. Il a souligné donc que Romain Guyot ne va pas tarder à rentrer également côté Carcassonnais, armé de son numéro 18. Voilà, donc les Bergaliens qui ont procédé, si je ne dis pas de bêtises, à la totalité de leur changement. Ils ont fait un 6-2, prise de balle en touche avec un groupé pénétrant qui est tout de suite orchestré donc par les Bergaliens qui ont, il faut le souligner, un avantage. L'arbitre a levé le bras et revient immédiatement puisqu'il n'y avait pas d'avantage vagant avec peut-être un début de bagarre générale. Accrochage. Voilà, un petit accrochage, mais léger on va dire. Quoique non. Il semblerait que peut-être ça s'excite de l'autre côté du terrain. Eh oui. Ça s'excite avec Mamoudou Niang qui est pris à partie par le second de ligne qui vient de rentrer côté bergalien. Allez, pas d'inquiétude. À Pierre Rajon, on en a surtout l'habitude. Surtout ne pas tomber dans leur jeu. Voilà, on sait on que c'est volontaire. Que, ils commencent à se frustrer et à tomber dans l'agressivité. C'est à ça, restons solidaires. Voilà, exactement, à vouloir nous sortir du match. Surtout ne pas tomber dans cette bêtise et ne pas répondre. Voilà, surtout ne pas tomber là-dedans, vous l'avez souligné Damien avec beaucoup de pertinence. On a vu la même chose à Blagnac, souvenons-nous, on était largement devant, 17 à 3. Et la partie a commencé à se tendre et malheureusement, c'est vrai qu'à ce jeu-là, peut-être n'est-il pas intéressant de pouvoir tomber dans ses travers et au contraire de pratiquer ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire de l'application du sérieux. L'arbitre de touche va maintenant s'exprimer auprès de son arbitre central qui vient le consulter. Donc quel va être le compte rendu que va faire monsieur Michael Durand? Que va-t-il estimer? Il convoque les deux capitaines. Donc Romain Manquia donc côté Carcassonnais et Léandre côté Bergelien. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui est convoqué puisqu'il est sorti.
Donc, quelle va être la décision de monsieur l'arbitre? Simplement de dire à Non. tout le monde de se Le calmer. capitaine, c'est le numéro 8, C'est le numéro 8, oui, qui est passé Loafoutou. capitaine. C'est Luafoutou, puisque Côté est sorti. Voilà. Monsieur l'arbitre dit aux deux équipes de se calmer, confirme la première pénalité. Suite. Bien sûr, surtout ne pas tomber dans la bêtise de vouloir se battre. Hein. Nous... Ça ne sert à rien. Par contre, c'est une très bonne touche dangereuse pour les Berjaliens à Avec 5-6 une mètres de la entrée ligne. de Romain, Romain Guyot. Romain Guyot qui vient et qui rentre à la place de Cédric Fontaine, normalement. De De Clément. Clément Fontaine, pardon, Cédric. De Clément Fontaine, voilà. Donc Clément Fontaine, notre joueur en provenance de Rennes et de Nice, qui sort. Et l'entrée de Romain Guyot, formé, il faut le noter, à Carcassonne. C'était presque ça en provenance de Nice. Voilà, on contre, très 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 bon contre sur la retombée du ballon où les Carcassonnais ne sont quasiment pas allés contester dans les airs. On contre leur sortie de balle qui est orchestrée avec le Sud-Africain Christopher Bosch avec une sortie de balle. Nouvel avantage pour les Berjaliens qui sont dans un temps fort avec Morgan Himes, l'anglais, qui est en réception. Sortie de balle à nouveau du côté berjalien qui tente de développer une attaque. Attention, mais nous avons Valentin Cessé qui contre bien le ballon à hauteur. Nouveau ruck avec Jordi Saladze, le géorgien, qui dans le cœur du regroupement perce. Attention, temps fort berjalien très dangereux. Ça chauffe à quelques mètres de notre ligne. Pénalité à nouveau confirmée par l'arbitre. Il faudrait pas que malheureusement lui vienne l'idée de sortir les cartons. Et ils écartent sur l'extérieur. Très bonne Très bon montée de plaquage. Gavanchet. Bien, voilà. Et l'arbitre va revenir à l'avantage puisque les Berjaliens ne peuvent pas aujourd'hui prendre l'avantage. Attention d'être très vigilant quand même parce qu'ils peuvent jouer le ballon très très rapidement. Le ballon qui est dans les mains de leur arrière Nicolas Cachet Non, qui va. ils vont aller en touche. Ils vont aller en touche. Voilà. On nous signale qu'il y a un problème de chrono sur la retransmission. Effectivement, on est à 3:39. Ce n'est pas du tout le cas de figure puisqu'on est plutôt à l'heure de jeu. Nouvelle touche trouvée par les Berjaliens, dangereuse à 5 mètres de la ligne. Alors Damien, que ferez-vous? Est-ce qu'on saute pour tenter de contrer ou est-ce qu'on attend au sol pour contrer justement la Je phase pense de groupe qu'on va pénétrant? vouloir nous enfoncer sur un ballon porté, donc peut-être les attendre au sol avec une grosse défense écroulée. On va voir. Peut-être le ballon porté. Et non, Et non, on nous tente de sautons. sauter, mais ils prennent le ballon, ils tentent le ballon porté, et voilà, la touche n'était pas droite. Tout à fait. Bien, avec Eric Escribano qui lève les bras et qui, armé de sa sucette magique dans la bouche, s'excite sur le bord de la Une touche. sucette à l'anis. Voilà. Allez, Gary Graham qui part également à l'échauffement sous les consignes donc des Avec préparateurs physiques. une entrée potentielle de Gaëtan Pichon, Voilà, sûrement Gaëtan à la place également. de Martin Nandaro. Gaëtan qui va rentrer à la place de Martin Nandaro. En tout cas, voilà. Il y avait quatre touches consécutives dangereuses pour les Berjaliens. Et sur la quatrième touche, le lancer n'a pas été droit. Et cela nous permet de Exactement. récupérer ce ballon et de pouvoir peut-être assurer une sortie de camp propre pour échapper à la pression. 15 à 9 toujours pour nos couleurs carcassonnaises. On a perdu malheureusement le chrono. On doit être aux environs, on va dire, de la 62e minute. 65e minute, me signale-t-on, avec la sortie donc de Martin Landaro, auteur, il faut le dire, d'une prestation qualitative aujourd'hui, notamment dans le jeu au pied. Libération rapide de ballon. Allez, une bonne mêlée Damien qu'il va falloir assurer pour sortir proprement de son camp. Eh oui, Landaro qui doit être content, car Introduction. les Argentins se sont qualifiés. C'est ça. C'est une belle soirée pour lui pour le moment. On Son espère club que ça mène. continue. Voilà. Souhaitons un résultat identique pour les Carcassonnais et nos couleurs. Allez, mêlée. Et bien entendu, les Berjaliens poussent avant et l'arbitre Voilà. immédiatement sanctionne d'un bras cassé. C'est le meilleur moyen de se dégager. Tout à fait, Voilà. Marc. Allez, donc Gabin Michet. Gabin Michet qui va prendre Assurer la touche. le pied, alors que Gary Graham s'apprête à rentrer. Voilà, Gabin va assurer la touche, mais comme c'est un bras cassé, le lancer ne sera pas jaune et noir, mais sera plutôt ciel et grenat en faveur donc des Berjaliens. Nous ne tenons plus dans la chaise, hein, Damien. On est debout Non. depuis le début de la seconde demi-temps, impatients que nous sommes dans cette tribune de presse. Pour le Avec moment, encore donc, toujours 15 à une 9 grosse pour nos séquence couleurs. défensive de notre part. Il faut le remarquer, puisqu'il y a eu une douzaine de temps de jeu, et nous avons très bien défendu. Quasiment sur notre ligne. Nouveau Avec une lancer en touche. sortie de notre titre Voilà. Prise international. assurée par les Berjaliens. Avec Villemain. Villemain pour Bosch, qu'on utilise de plus en plus, hein, dans la ligne berjalienne. On tente de gratter au sol, mais on n'y arrive pas. Ils repartent dans le cœur. Avec à nouveau donc une Ça sortie y de est, balle qui va être Étienne est orchestrée par sorti. Thomas Munia.
Anaïs, voilà, pénalité à nouveau pour les Bergaliens. On est sanctionné pour la cinquième fois consécutive. Attention. Les Bergaliens qui tentent une attaque, mais il y avait un léger en avant de la part de Nicolas Villemain. Et donc, nouvelle pénalité sur les 40 mètres cette fois. Ils vont sûrement maintenant prendre les points au pied pour pouvoir essayer de recoller. Certainement, ouais, là ils ne prendront pas la pénal touche puisqu'on les a contrés quand même tout à l'heure. Mais voilà, les Bergaliens effectivement indiquent les poteaux. Donc une volonté de la part de Nicolas Cachet de pouvoir prendre les 3 points, d'augmenter son capital, de poursuivre sa place de leader débuteur de la Nationale 1 et surtout de permettre à ses partenaires de recoller à 15-12. 67e minute de jeu. 67 minutes de jeu. Et nous sommes toujours à 15-9, mais une tentative donc de pénalité pour Nicolas Cachet, 40 mètres face au bar quasiment. Condition météorologique avec un vent nul, il faut le dire. Et donc une tentative qui est vraiment dans les cordes de l'arrière bergalien. 15-9 toujours pour nous. Quelques secondes de repos pour vous laisser vivre la pénalité. Qui part qui bien passe. Et qui passe entre les barres. 15-12. Voilà, en même temps, il faut dire quand même qu'on est sur une phase de domination bergalienne depuis 10 minutes, Damien. Oui, oui, on le voit, ils sont sur une phase assez dominante. Mais malgré ça, on ne subit pas, on n'a pris que 3 points. Surtout, ne pas s'affoler et rester dans le match. Retourner dans leur camp pour pouvoir les maintenir sous pression et... récupérer une pénalité pour reconstruire, remettre 3 points. Un renvoi avec Romain Banquia qui immédiatement donc réalise un bon plaquage, met au sol son adversaire direct. Une sortie de balle de la part de notre compère seconde ligne fidjien, au nom difficilement prononçable, mais qui tente immédiatement de sécuriser son ballon avec Thomas Munia, donc le demi de mêlée bergalien qui va dégager son camp. Il ne cherchera pas la touche, il va laisser vivre le ballon, mais non, il trouve la touche. Légère touche qui est trouvée. Très bonne touche plutôt. 47 mètres. C'est vrai, très bonne touche. Hein. Bonne sortie de camp. Lancé Carcassonné. Ça fait quelques minutes qu'on n'a pas vu Lucas Petriashvili lancer. On voit Valentin Cessé avec Romain Guyot qui se consulte. Valentin Cessé qui est un peu le capitaine de touche là dans ce paquet d'avant. Comment ? Avec Étienne Ergent. Et non, Étienne est sorti, donc c'est Romain, je pense que Romain manque. Romain, c'est Valentin. Voilà, belle. Il arrive à sortir la balle avec Michet. Michet pour Garrigra, premier ballon. Et immédiatement une pénalité. Le plaqueur ne sort pas de la zone, avantage pour nous. Sorti de la zone. Gaëtan Pichon qui tente de pénétrer, mais récupéré par Narmania qui récupère le ballon. Avec un en arrière de la part de Dédé Urzaké. Et une sortie de balle maintenant pour Gaëtan. Ça accélère. Gaëtan pour Gabin Michet. Et va lancer. Là, c'est sortie de balle toujours avec Pichon, rapide. Là, c'est pour Dédé Urzaké, digne d'une charge de la grande époque de notre pilier roumain. Avec Narmania qui revient dans le cœur. Mais le ballon est contesté par les Bergaliens. On revient à la pénalité. Le banc Carcassonné indique la volonté de prendre les 3 points. Pénalité sur les 40 mètres. On va prendre les 3 points. Il faut prendre les 3 points. On repasse à plus 6. Si Gabin, bien entendu, réussit sa tentative et poursuit son sans faute du jour, puisque je le rappelle, il est actuellement à 5 sur 5. Donc Gabin va tenter de prendre le but. Allez, nous sommes à la demi-heure de jeu dans cette seconde mi-temps, toujours 15-12 en faveur des jaunes et noirs qui sont en train de réussir. Il faut l'appeler, ce qui est un exploit, puisque c'est très rare de venir gagner sur la pelouse de Pierre Rajon. Et en tout cas, ils nous font plaisir dans le combat, l'engagement, la générosité. Un bel état d'esprit de la part de l'équipe. Tout à fait. Voilà, Damien, vous le soulignez. C'est ce qu'on attendait aujourd'hui en priorité. Et je crois que ça fait plaisir à nos plus de 900 spectateurs présents sur notre live. On est très heureux que vous soyez à nos côtés, au soutien de nos couleurs. Mais aussi que vous nous fassiez part de l'ensemble de vos commentaires que nous suivons avec la plus grande attention. Allez, Gabin, donc, pour une tentative de tir au but. 71 minutes de jeu. Va-t-il permettre aux Carcassonnais de passer à plus 6 ? Public bergalien toujours, bien sûr, très sport, vous l'entendez siffler. Hein ? Le respect des valeurs ovales. Et Gabin qui sanctionne passe. Les sifflets par une magnifique pénalité. Merci et bravo à lui. On est à plus 6, 18-12.
18-12 donc en faveur des Carcassonnais. 100% pour Gabin, il faut le noter quand même. Eh oui, mon cher Marc, aimé, on en revient toujours à la même chose, assurer notre sortie de camp. Voilà, c'est le plus important, se redonner de l'oxygène. Les Bergaliens donc avec un renvoi toujours au même endroit. Et c'est Mamoudou Niang qui récupère la balle, qui immédiatement va au sol. Donc là, on va pouvoir se dégager tranquillement. Sortie de balle de Gaëtan Pichon pour Dédé Urzaké. Dédé Urzaké au cœur du ruck avec un ballon qui va pouvoir sortir proprement. Et là, Gaëtan va prendre le jeu au pied, Damien. Voilà, oui, on le Gaëtan voit. Qui va sûrement prendre le jeu au pied, qui a un gros jeu au pied. De jeu au pied. Voilà, très bon coup de pied de dégagement de Gaëtan. Non, c'est-à-dire un coup de pied qui est malheureusement très haut dans le ciel, mais qui ne trouve qu'une petite touche à l'entrée des 22 mètres. On se remet un petit peu sous pression. A noter quand même la bonne réception sur ce renvoi bergalien, malgré l'arrivée de notre jeune ailier. Voilà, Mamoudou Niang, qui ne s'est pas échappé. Lancé en touche bergalien, contré par Valentin Cessé, par Romain Guyot. On récupère le ballon par Gary Graham. Gary Graham qui, au cœur du groupement, avance, fait parler toute sa densité physique et son expérience. Et là, par contre, Gaëtan Pichon qui nous dégage. Et le ballon et qui sort pas en touche. Malheureusement, une réception pour Paul Champ qui relance. Mais ballon tranquillement récupéré par Gabin Miché. Gabin Miché pour Max Janet. Max Janet qui va taper. Voilà, Max Janet tranquille qui assure. Voilà. Par contre, relance de Paul Cachet qui met sur la ligne des 40. Magnifique. Très beau plaquage voilà, de Romain Guyot qui fait plaisir. Guyot, mais par contre, nous avons Cachet qui a libéré son ballon. Et le Bergalien qui tente de partir au niveau du ruck. Mais Dédé Urzaké est très vigilant. Sur la ligne médaille, sortie de balle pour les Bergaliens avec Plessicouillot qui est pris, qui tente de libérer son ballon. Ils ont reculé d'une dizaine de mètres, les Bergaliens. Attention à cette sortie de balle et Dédé Urzaké qui se met immédiatement en opposition, qui couche son joueur au sol. Et oui, notre Dédé du haut de ses 40 ans. En défense, Niang qui s'active au plaquage et Romain Guyot, auteur d'un magnifique caramel il y a quelques secondes, qui est également vigilant. Graham, Narmania, le public réclame un hors-jeu, mais il n'y en a pas. Attention dans la ligne Plessicouillot avec un arrêt buffet de la part de Karl Fern. Attention, il y a un 2 contre 1 à jouer. Il faut que Vaeva soit très vigilant. Romain Manca et Maxime Gianet qui s'y file. Maxime Barca. Allez, on continue avec le joueur fidjien de Bourgoin. Mais on gratte au sol. Non, volonté de grattage. Non, le ballon est sorti. Récompensé. Le ballon est sorti. Avec une relance bergalien avec Villemain pour Bosque. Attention avec l'ailier bergalien qui tape au pied. Le ballon sort en touche. Il s'est un peu débarrassé du ballon, Damien. Oui. Après, on voit que quand on les maintient chez eux avec une grosse défense et qu'on va les chercher, on voit que les Bergaliens ont pas trop de solutions et qu'ils se débarrassent vite du ballon. Donc à nous de continuer à monter et les presser pour justement récupérer ces ballons et les remettre sous pression chez eux. Allez, on est à 6 minutes, on va dire, du coup de sifflet. Quoique on ne sait pas combien de temps l'arbitre des comptera. Il y a eu quelques changements, mais pas de blessures. Sauf celle, malheureusement, souhaitons-le légère, de Fabien Lorenzon. Mais en tout cas, lancé en touche pour nos Carcassonnais sur la ligne des 22 mètres. Lancé donc pour Lucas Petriacheville. Il faut assurer une conquête propre. Ah, petit arrêt de jeu. On vient soigner très légèrement Lucas, mais c'est bon. Celui-ci regagne la touche et va donc pouvoir effectuer son lancer. Jusqu'à présent, Lucas était propre sur ses lancers, il faut le dire. Hein, 100% de réussite. Allez Lucas, nouveau ballon avec Valentin Cessé qui se fait piquer le ballon, mais le joueur berger fait un en avant. On le récupère, on peut la jouer. Autour de Karl Ferns. De l'avantage, voilà. Karl Ferns toujours hein, actif, hein. Bonne partie de notre Anglais. Qui, on le sait tous, demain sera devant son poste de télévision pour soutenir ses couleurs. En bon Fidjien. Voilà qu'il est. Par contre, Martin Landaro va re-rentrer sur le terrain. Oui, je pense peut-être qu'on va faire souffler Gabin Miché. Peut-être Gabin. Ouais. Non, Gabin semble ne pas sortir. Si. Je pense que Gabin. Voilà. Gaëtan va glisser en 10 et Gabin va sortir. Voilà, donc voilà. Martin Andaro, vous le voyez. Il sort en boitillant, mais auteur d'une belle prestation. Ouais. Ne sera sorti que quelques minutes avec lancé de jeu à hauteur de 40. Attention avec le numéro 8, mais très bien pris par Gary Graham qui ne s'échappe pas sur le premier contact afin d'empêcher le troisième ligne bergalien Louafoutou de pouvoir percer dans le cœur du jeu.
Les Berjaliens qui s'appliquent à un jeu fait de beaucoup de pick and go, mais qui manque quand même un peu de vitesse parce que nous sommes très actifs avec Lucas Petriashvili qui s'emploie à contrer Dédé Urzaké Ah également. oui, On s'active, le ballon peut-être un est ballon gratté, raté. peut-être côté carcassonné. Non. Monsieur l'arbitre, non. Monsieur l'arbitre ne nous donne pas la pénalité en notre faveur. Et toujours, on exploite bien sûr en première intention Louafoutou avec une attaque avec Villemain. Villemain qui ne passe pas la balle, sortie pour Munir. Avec Vaeva qui ne s'échappe pas au plaquage, même s'il est un peu bousculé. Et Très beau voilà, Plessis plaquage et très beau Pouillot qui est contact bien de Karl retenu Ferns par encore. Karl Ferns. Attention à cette action qui s'éternise. Il faut gratter. C'est C'est. gratté par les carcassonnés. Monsieur l'arbitre ne Ah! donne pas. Attention, une Ne pas échappée de relâcher les Munir. plaquages, Gaëtan. Gaëtan qui manque un plaquage malheureusement. Le talonneur berjalien remplaçant maintenant qui s'active. Attention avec un ballon dangereux. Il hésite. Il hésite, il revient dans le cœur du jeu. Et là, par contre, non, on tente de gratter, mais on n'y arrive Non! pas. Ballon libéré, on le récupère par Romain Mankia. Magnifique. Maintenant, il faut assurer la sortie de camp. Les carcassonnés Ne qui pas s'affoler, surtout ne annihilent. pas s'affoler. Voilà, cette Et action retourner chez dangereuse. eux. Voilà. Et Voilà. un long coup de pied. Attention, Surtout ne attention. pas rater le premier Ne pas rater plaquage. le premier plaquage, il ne faut pas qu'il s'échappe. Et Gary Graham ne rate pas le premier plaquage. Et Valentin essaie tente de gratter, il n'y arrive pas. Il est nettoyé. Et voilà un avant de la part des Berjaliens. Et Eh ballon oui! récupéré par les Carcassonnés. Superbe. On est à la 31e minute de jeu de la seconde mi-temps. C'est-à-dire qu'on est à quelques minutes du coup de cette finale d'Amiens. Toujours 18 à Oui, 12 en faveur Gilles. de nos couleurs. On voit une très grosse performance défensive qu'on On voit le a. côté Chris d'ailleurs nous le signale sur le chat. USC, un rempart en défense. Et c'est vrai. C'est les remparts de Oui! la cité qui sont dressés ce soir du côté de la Berjalie. Ouais, on avait mis un point sur la défense cette semaine, donc après notre bévue à Nice. Donc ça nous tenait à cœur de nous racheter sur ce point-là. Donc En tout cas, les Carcassonnés ce soir se rachètent très bien. Allez, on est qu'à quelques minutes maintenant du coup de sifflet final. On sent que l'excitation et l'impatience sont de mise sur le banc Carcassonnais. Mais nos joueurs restent très lucides pour le moment sur la pelouse, très calmes. Une introduction donc pour Martin Landaro. Allez, il faut assurer cette mêlée, surtout ne pas se faire reprendre et donner aux Berjaliens l'occasion de scorer à plus 3. Ou alors de tenter une pénale touche qui pourrait nous être fatale malheureusement. Une bonne mêlée, c'est ce qu'il nous faut. Allez, Dédé, Dédé, on compte sur toi. Dédé avec Lucas et avec Nicolas. Voilà. L'arbitre estime que les joueurs n'étaient pas bien positionnés pour l'entrée en mêlée et fait donc refaire. Ça a au moins l'avantage de faire gagner une trentaine de secondes, Damien. Voilà. Peut-être que Dédé a fait peut-être passer un message aux jeunes de la première ligne de faire tomber pour gratter un peu de temps, toute Voilà. l'expérience de Dédé. On voit toute l'expérience de notre bûcheron des Carpates. Voilà, introduction à suivre donc à nouveau donc pour Martin Landaro sur la ligne des 40. Carcassonnaise assurée une bonne sortie de camp et peut-être aller jouer donc du côté berjalien afin d'avoir un peu de sérénité. Nous sommes à 15 secondes de la fin officielle du match, mais il y aura bien sûr quelques arrêts de jeu. Attention, une poussée berjalienne, on Surtout. sort bien le ballon par Karl Ferns. Voilà, et Karl qui immédiatement part dans l'axe, gagne du mètre, fait avancer toute son équipe. Sortie de balle, Martin Landaro. Martin Landaro sur qui décide peut-être de changer de côté et qui va Il aller a raison, il chercher a raison. Dédé Urzaké. Il a raison, et voilà. Dédé qui garde proprement On le sent ballon au saut. toute l'expérience de Au chaud, au chaud, Landaro au aux chaud. 80 sélections. Voilà. Landaro qui a changé de côté au dernier moment et qui là donc prend son temps pour libérer. L'arbitre lui ordonne. Sortez, sortez le ballon, sortez le ballon. Ça y est, Martin Landaro qui se sert du ballon au pied. Inutile ce que fait le Berjalien. Landaro qui exploite le jeu au pied avec un ballon qui va retomber à hauteur des 40 Berjaliens. On le conteste. Valentin Cessé immédiatement au plaquage avec Gary Graham qui tente de Reconstruire dribbler la son. ligne, surtout Attention à la reconstruire la dernière ligne. action. Peut-être Berjalien, ça peut être très dangereux. Avec caché, caché pour Plessis Couillot qui cherche dans l'axe. Plessis Couillot qui est bien pris immédiatement. Donc on Avec un bel continue effort avec. d'André On change de Ursaché. côté. Ouh, Et très très beau beau plaquage plaquage de de Karl Karl Ferns. Ferns. Magnifique plaquage de Karl. Voilà, par contre, attention immédiatement à être vigilant et tout de suite on prend Bien le demi-de-mêlée plaqué par berjalien. On a Vavea. gagné 15 mètres cette action en étant vaillant en défense. On est sur la même ligne, mais le Fidjien berjalien remet quand même une couche. Lui qui pourtant a été sous le joug d'un très beau plaquage. Attention, attention avec Louafou qui tente d'arrêter la tour qui est pris de vitesse. Est-ce qu'on va couvrir avec Matisse Barca qui couvre bien? Attention, d'arrêter la tour. Oh là là, le ballon qui passe avec une.
Les Bergelins qui rentrent à l'entrée des 22. Une action très très dangereuse. Attention, la seule action peut-être dangereuse de la part des Bergelins. Ouais, voilà, et les Carcassonnais qui bénéficient de jouer l'avantage. Maxime Jeannet qui tape bon coup d'œil de mon fils. Très, très bon coup de pied avec qui peut une belle touche. Oui, touche magnifique. Et c'est peut-être fini. Et voilà, et c'est fini. Et c'est fini. Les Carcassonnais l'emportent ici à Bourgoin sur le score de 18-12. Un magnifique exploit de la part de nos couleurs. Et oui Damien. Et oui on marque a gagné ce soir avec sûrement match au commentaire. Sûrement voilà. Un retour bus magique pour la part de nos jaunes et noirs. Superbe prestation de nos jaunes et noirs qui l'emportent à Bourgoin 18-12. En tout cas merci, vous êtes actuellement 1040 à nous regarder. On voit que ce chat ce soir s'est très bien déroulé. On est heureux. Nos jaunes et noirs l'ont emporté. C'est une belle victoire qui va remettre un peu, je crois, les compteurs comme il faut. Plus 4 aux Britanniques après 2 défaites à l'extérieur. Eh bien, les Carcassonnais ont immédiatement montré la voie et se situent à nouveau, donc certainement, dans le top 3, voire le top 4 de cette nationale. En tout cas, une très belle partie dans l'engagement, dans la volonté. Damien, je vous laisse le mot de la fin. Non, très belle réaction de notre part, de l'équipe. Voilà. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures pour pouvoir recevoir le prochain match à la maison, Albi, qui a... Il ne faut pas oublier quand même qu'il reste sur 2 bonus offensifs, donc qui est quand même une équipe très sérieuse à prendre en compte. Et donc, ça sera notre dernier match de ce bloc. Donc, on va retenir cette belle victoire ce soir et bien travailler pour la semaine prochaine pour recevoir Albi comme il se doit. Mais en attendant, on va fêter ça par un retour comme il se doit, avec un petit retour bus magique. C'est ça. Alors Damien, on vous voit sur l'écran. On tient à saluer toutes celles et ceux qui nous ont suivis et qui ont poussé derrière nos jaunes et noirs sur ce terrain mythique de Pierre Rajon. Merci pour vos encouragements. Merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Et puis surtout, surtout, venez très très nombreux le week-end prochain à Domecq à 19h. Pour nous soutenir face à Albi. Ce sera un gros match. Venez avec vos familles, avec vos amis, avec les copains, avec les potes à la buvette. Venez remplir Domecq pour qu'on puisse pousser derrière nos jaunes et noirs pour ce retour à Domecq pour le 8e match. En tout cas, merci d'avoir été fidèle. Et puis, on est heureux ce soir. Une très belle victoire. Très heureux. Donc, voilà. Tant mieux. Merci mon cher Marc d'avoir partagé ce match avec merci, vous. Merci Bam Bam, tu as ce été fut superbe. Un honneur. Merci pour tes analyses techniques. Tu as été d'ailleurs, NB le souligne, un très grand Damien ce soir. Donc merci à NB pour ce commentaire positif. Bonne soirée à tous, soyez heureux, bon week-end et surtout demain, allez les Bleus. Ouais, on et pour moi demain gagne. Ça sera chasse, donc désolé chasse le ma matin chérie. Mais... Et les Bleus le soir. Allez, merci à tous, belle soirée, bon match certainement Irlande-Nouvelle-Zélande. Et nous, on va être de retour. Allez, bye bye, à bientôt, salut et merci à vous pour votre soutien. Bye.